yourself now, because you're dead in my mind. The boy that you loved is the monster you fear. Donc, Cédric, toi, la dernière game, ça t'avait fini dans la suite de Katharina Kornfeld avec Nicole. Bang, bang, bang. Vous attendiez que Katharina Kornfeld se pointe. Elle dit, je m'en viens, je suis là dans 5 minutes. Nicole, elle voulait partir. Elle était sous l'effet du présence 3. Tu as dit, non, non, reste ici, c'est correct, t'es avec moi, tout va bien aller. Merci, bonsoir. La clé rentre dans la porte. Elle rentre. Ben, en fait, c'est les portes d'ascenseur rouvrent. Elle rentre dans la place. Elle a l'air en tabarnak. Elle a vraiment pas l'air de bonne humeur, puis elle est pas grande, là. Tu sais, c'est un petit bout de femme, là. Elle a l'air d'avoir 17-18 ans, là, vraiment, là. Si elle se force 21. Oui, sans faire, si elle se prépare, puis tout le kit, là. Sinon, elle a vraiment l'air jeune. Okay. Elle marche du talon. Elle regarde Nicole. Nicole, elle regarde à terre. Elle te regarde. Neutre. Elle n'est pas en crise, elle te sourit pas, mais ça paraît qu'elle n'est pas de bonne humeur. Je vais lui donner l'item que j'avais pris comme quoi que c'était un os, que je savais que c'était un os qui était. En tout cas, c'est un des items qui a touché. Elle commence à faire le tour. Moi, je reste assis sur le fauteuil. Ben, il est en train. Non, elle n'a pas de specs. Non, je le sais, c'est pas ça que je veux, c'est sa perception. Un peu avec les filles. Bonne réponse, I guess. Tala. J'ai le mal, je touche plus ça, c'est bien. En fait, toi, on dirait qu'il n'a rien pris. Je sais pas qui c'est qu'il voulait. T'as pas rien vu, t'as pas vu c'était qui. Je sais juste que c'est un os qui s'est pitché par. Là, mais étant donné que je suis pas très... Il s'est sacré en bas du 21e étage. Ouais. Et je l'ai... Quand je suis rentré, il a réapparu. Regarde Nicole. Toi, l'as-tu vu? Je sais pas si c'est qui. T'es sûr? Je sais pas c'est qui. À part. Elle s'en va dans l'autre pièce. Elle fait le tour, là. Et c'est quand même grand, là. Il y a comme... C'est un 8,5, ouais. Là. Il y a deux salles de bain, là. C'est vraiment immense, là. Je vais l'aider à chercher. Regardez si c'est quelque chose qui est out of your ordinary. Fais-moi un check. Tu vas me faire un check de perception. Investigate. Je peux-tu rajouter de l'aspect là-dedans? C'est difficulté 9, moins tes points d'aspect. C'est quoi perception? Investigate. À droite. Perception? Perception. Droite. Investigation. Consomme voyelle. 1. 1, 10. Consomme. Une réussite? Oui. Toi, elle n'est pas en tout, sérieux. Elle non plus, d'ailleurs. Venez au salon, Nicole est plus là. Katharina te regarde, elle fait. Elle n'a pas eu le temps de rien m'expliquer encore. Tu la retrouves. Pas à soir, là. Tu la retrouves. Tu as force à parler. Je veux savoir qu'est-ce qu'elle sait. Puis si tu peux, tu le fais ici. Je sais ce que tu es capable de faire. Je ne suis pas né de la dernière pluie. Tu peux passer la nuit ici pour asseoir si tu veux. Ça me ferait du bien. Non! Ouais! T'es sûr que c'est 14 de la mort? Non! T'es sûr que non? Attends un peu, je peux m'arranger, oui. Non! Tu fais présence 3? Non, merde! Je suis pas assez haut! T'es bien mieux de pas la tuer parce que mort. T'en vois. Ah non, pour vrai, là, je vais t'en vouloir. Non, je vais essayer de savoir. À moi.
Arrête! Tu l'as collé, j'ai jamais vu le message parce que je suis pas retourné au hideout. Oui, oui. De toute façon, c'est moi qui l'ai. Ouais, j'ai mis ça dans le message. J'ai 19, 9, 10. Je vais pas la laisser partir avec quelqu'un d'autre. C'est bon, écoute, c'est pas compliqué. En gros, qu'est-ce que... Tu sais, j'essaie de la faire plus parler que ce qu'elle veut. Ah, oh, elle parle pas. Elle arrive. Tu y fais vamp, là. Tu sais, tu y fais une petite moue, là. Elle fait grand. Elle plie des genoux. Elle fait deux pas. Elle arrache la robe que t'as sur le corps. Là. Oh, yeah. Damn! Hmm. 15 000 piastres déchirées. Elle arrache la robe, ouais. Puis easy shit, là. OK. C'est pas... C'est... Rip off! She's the man! Elle te pogne. Elle te pousse dans le lit. Tu lèves de terre, là. Tu recules le bras 5 pieds, là. Tu tombes sur le lit, pis c'est comme... Oh. Elle avance. Elle enlève son tailleur. Elle se crée sa poêle. Oh, ouais. Enfin! Puis elle embarque dans le lit avec toi. J'ai cru la fin, mais. Ouais, c'est pas que ça! C'est comme. Ok, t'as la bouche pleine, on comprend. Eux autres aussi! Ouais! Une soirée de touche pipi. Commence bien, hein? Je viens de faire un petit. Le monde écoute ça pour ça! C'est ça! Boobies, boobies! On continue avec toi. Le lendemain. Tu te réveilles, adore, solide. Oh, je suis plus haut. Puis sincèrement, moi, je vais... Tu sais, la scène, moi, c'est Kateri, hein, fait que... S'arranger pour que ce soit... plus bestial que... À l'envers. J'essaie de la... Ah oui, domine là, même. Degrade her. Faut chercher le game. C'est ça, un garou dans le lit. Let's go, on commence. Fait que ça. Le lendemain, elle dort. Ouais. Elle dort encore. T'as des gros préjugés. T'as pas de tacrine au front, là, qu'il faut. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Ça doit être violable. Il peut être pas toute une femme, là. Je suis deux, mal de ouf. Fait que c'est un blood pour me lever. Donc. C'est une scène de film, quelque chose. Hmm? C'est une scène de film. Tum, 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 n'importe quel film, let's go, là. Pis y'a un diable de risque. Fouille en arrière des cordes. T'es couché sur le ventre. Un pied par derrière, c'est le fait. Fouille en arrière des cordes, s'il n'y a pas un coffre. Ouais, ah, c'est... Le Specs à 2, c'est quoi? Le Specs à 1. Les auras. Les auras. Le Specs à 1, c'est... Il dans la chambre d'hôtel ou il fait non, non, ils sont dans la suite à l'hôtel. Qui s'était fait ravager, là. OK. Par... celui dont on ne doit pas dire le nom. Par... Ah, ouais. Je vais... essayer de fouiller un peu comme la pièce, voir si c'est pas des affaires comme... C'est comme si je me cherchais... des... voir qu'est-ce qu'il y a un peu dans pièce. Là, pas. Faut en fait des voir en pièce. Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose de personnel, un peu de vêtements. Je vais ramasser ce qu'il me fait. Il y a un peu d'argent, tu sais, dans. Ouais. Mais sans farce, là, il y a le strict minimum dans cet appartement-là. C'est vraiment une suite. Ah, je vais regarder s'il y a un service de tailleur dans. C'est une suite. Oui. Fait que je vais me commander de quoi. Ça te dit qu'il y a quelqu'un qui va venir prendre vos mesures. Dans l'appart saccagé. Ils savent de quel étage. Ils savent de quel appart qu'il y a à l'appel. Puis 9h le soir. Là, même à 9h le soir, il y a la chambre. Ben, écoute, ça prend 20 minutes. Qu'est-ce que c'est? C'est le futur. Tu n'es pas de manche. Sans passe, le monsieur, il fait comme. C'est un monsieur, il a 45-50 ans. Là. Il fait madame. C'est pour ça que je vous ai appelé, j'ai pas de vêtements, donc j'ai besoin de vêtements. Pourriez-vous au moins mettre une robe de chambre, quelque chose, s'il vous plaît? Ça vous gêne? Un petit peu. On va aller mettre une robe de chambre. Merci, madame. Je l'aurais tellement présente, toi. Sens-tu mieux maintenant? Je l'aurais pas. Approche-toi. C'est joué. J'ai pas de mesure. Ton dos en Captarina! Fait que ça, je vais le laisser prendre ses mesures.
T'es debout sur un petit tabouret qui est amené. Prends tes mesures dans l'autre pièce à côté, dans le petit salon. La porte de la chambre, elle rouvre, est tout nue. Elle fait. Tu as besoin de vêtements. Elle rentre dans la chambre. Elle ressort, robe de chambre. Le petit monsieur, il a rougi encore, tu sais. Il fait. T'as bien fait. Elle regarde le gars, fait monsieur. Oui, madame. Fait, la facture, ça va aller. Oui, madame, la facture, ça va aller. Merci. C'est une Jedi! Ah! Je vais me préparer, je vais aller prendre une douche et je vais y aller, j'ai des choses à faire. Monsieur le prince m'attend. Elle rentre dans la salle de bain. Ça doit être dominé. Ça prend un bon 15 minutes, faut prendre tes mesures, puis prends des notes, fais okay, quelle couleur tu veux ça. C'est bon, une petite demi-heure. Elle, entre-temps, elle s'est préparée. Lui, il s'en va. Elle sort de la chambre et est prête. Fait, ah, bon. Je te souhaite une bonne soirée, ma chère. Je dors encore ici ce soir. Ouh! Elle s'en va. Elle a aimé ça à combien? Ça veut dire que toi. Elle joue combien de fois? Elle joue combien de fois? Laisse tout la scellée, là. Une! Juste une! Ah, c'est mauvais! Ouais, il y a duré, c'est ça, il y a duré. Ouais, mais c'est le unlucky, t'es là. Ah, c'est ça! J'aurais dû dire non, j'aime pas ton jet, bravo! T'as-tu quelque chose de spécial cette nuit-là? Ben, si j'ai pas de vêtements, non. Ça donne du bain. Sans faire, si tu recevras ton linge vers 3h30 du matin, là. Mais il est frais fait. Il est encore chaud. Il va faire des chemises à bois, là. Les coutures, oui. Écoute, sinon, ça, j'ai oublié de demander à Katarina si j'avais eu l'autorisation ou pas. Pour les ghouls. T'as pas une réponse. Je vais probablement faire comme du casual, me faire connaître en fait. Je vais descendre dans le bar de l'hôtel. Puis, à 3h, je vais. Ouais, les 2h30. C'est bon. Tu crois-tu que je partage la suite de madame quand je fais off? C'est moi qui a faux. Fait que. Rendu là, tu check l'heure, on est. Va peut-être falloir que j'aille me coucher, tu sais. Tu montes dans l'ascenseur, ta petite carte, tu montes. T'arrives en haut. Ils ont-tu fait le ménage? Oui, c'est rangé. Donc, elle est pas, c'est elle est pas encore arrivée. Prospect, bon, c'est pas que j'ai, il y a rien pendant tout. Fais le tour. Ah, un soir, je pense que ça va être tranquille. Mais, elle est pas là. Elle est pas encore arrivée. Tu sais, dehors, le soleil se lève dans une demi-heure. Ce que je vais faire, je vais aller. Tu sais, je vais regarder par le balcon, voir, tu sais, repérer les lieux autour. Qu'est-ce que. Mm-hmm. En gros, c'est quoi les artères ou quoi que ce soit. Tu sais, je vois, en gros, d'avoir une bonne idée. Tu veux checker, voir si tu verrais pas son char, sa limousine arriver, quelque chose. Ça, puis de savoir aussi vraiment, comme, on est où, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que. T'es en plein milieu du quartier riche, là. Ouais. C'est son territoire, c'est à elle, ça. T'es chez eux, littéralement. T'es pas mal dans le pire trou à rat ennemi. Oh. T'es au cœur. Mais moi c'est mon terrain de chasse, c'est mon terrain c'est de prédilection. C'est ça. Fait que tu pourras rire de moi, j'ai pété une prise dans tout. Ah, il y a pas pu. Il y a pas pu. Ah, bah plus, ça va plus. Comment? Fait que ça. Écoute, le soleil commence à se lever là. T'es comme tabarnak, elle n'est pas arrivée. Je vais peut-être tuer. T'es comme fuck off, faut que tu baisses les rideaux. Ouais. Il commence à faire chaud. Ouais, baisse les rideaux. Baisse les rideaux, tu fais 3 pas là. Paf! Tu t'endors. C'est vraiment là, t'étais vraiment borderline. T'as même pas eu le temps de te rendre jusqu'au lit. Le lendemain, pour tout le monde, c'est 30, 30.
Vous avez rendez-vous chez Himmler à minuit avec le Final Reich pour rencontrer les autres membres du Final Reich. C'est malade. Parfait. Ouais. Changer ma face, par contre. Je parle pas du monde. Ah, c'est malade. Cool. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui y va pas? Ça me tombe pas! Moi, je le sais que c'est là. Comment? Je le sais, ou... Tout le monde le sait, ça fait une semaine que vous allez. Je vais dairer quelqu'un qui y aille pas. Fait que je vais laisser. T'es pas game de pas y aller? Je vais laisser une note, juste comme quoi que. Tu sais que s'il y a pas ça, c'est je reçois des textos. Ah, ok. Tantôt, je me demande, c'est qui enfin qui parle? Je vais juste laisser une note, comme quoi que je suis parti me promener en direct. Je vais revenir d'ici la fin de la nuit. C'est bon. Je vais rencontrer le Final Reich. Fait que. Ça, tout ce qu'il y a que d'appeler Amérique Claire puis de dire hey, tu fais partie du sabbat à part toi. Calice de cave. Bon. Qui se pointe plus de bonheur? Moi. Ouais. Sauf que je me laisse sur le bord, genre, je check qui arrive. En moi, je me pointe plus de bonheur. Pas que l'autre, moi, que t'en. Me semble? Non, il était pété en tabarnak. Il était pas de bonne humeur, moi, quand je suis allé le voir, là, je la veille. Ouais. Il m'a quasiment tapé dehors. Ouais, il y a ça. C'est vrai. Fait que, aujourd'hui. Fait que tout arrive vers 11h, genre. Ouais. Puis bon. Je regarde le monde qui rentre. Puis quand je réapparais, je réapparais dans l'autre face. À part Frank, brassez-moi tout un des 10. Je suis pareil comme lui, je me cache. Je me pogne un bâton de baseball. Oh. J'attends qu'elle arrive, je vais péter sa moto. Oh, right, je suis à shame, là. Moi, je veux péter ta gueule. J'ai 8. 8, 3, 8, 2, 5, 6. OK. T'arrives en premier. Moi, je pense pas les égouts, hein. Ok, parce en passant. Si je croise un os, j'y collais sur une volée. Hey, l'ami, je viens de. Tom! 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 Tu sais, c'est vraiment genre là, couche ta pouf, là, la hache pogne en feu. Tom! Tom! J'en veux pas, c'est correct. Ok, t'as la hache de. La hache en feu. Il l'a gardé. Ouais, c'est pour prouver à Tyson que je l'ai géré. Parce que je pense que c'est Frank qui l'avait. Non, c'est Naimo qui l'avait pogné. Ah oui, c'est Naimo. Ouais, c'est elle qui l'avait, mais j'ai dit j'ai besoin d'une preuve que j'ai dealé avec. Ouais, puis elle te l'a donné, non? Ouais, c'est ça, elle me l'a souillé, elle dit tiens, comme ça c'est pas ta preuve. Fait que c'est ça, fait que j'en trouve pas, j'en trouve pas. Fait que t'arrives, pas loin, lis les égouts, sors de là, là tu le vois. Oh, tu sais, ça pue là-bas. Je pense qu'il s'en vient. Là, je pète, oh, c'est bien mieux. Ça donne une petite swing. Un blob pété. Un blob pété. Un pet de sauce, oh! Deux blondes! Un pet de sauce rouge! Techniquement, une poire à dingue, tu rentres de l'air, genre, t'attends un peu! Et on va faire ça avec sa peau! Tu peux m'en mettre, tu sais que je pète du coude, je pète. Fait que, j'y vais, je. Fait qu'il arrive, là, il est 11h15. Gentil, là, mais il m'intéresse pas tant. Tu connes? Ben oui, moi. Ben... Je vais checker aussi qui ouvre la porte au monde. Je vais voir si ça change. Il y a. Un gars du lit! Qui dit un gars? Il y a une carte. Pas quelqu'un. Non, c'est. Qui? C'est. Elle! Daenerys Targaryen! La malcave qui vit dans un conte de fées. Persia. Alice, au pays des merveilles! C'est elle qui ouvre la porte? C'est elle qui ouvre la porte. Okay. En ce moment, là, elle est crissement cute. J'ai pas de chance avec. Non. Peut-être qu'elle a des goûts un peu familiers. Elle a des goûts bizarres. Je suis la bête, tu veux être la belle? Oh, man! Oh! Oh, hey, t'es un romantique, wow. Je fais ça, c'ti. Fait que non, j'ai passé dans la belle. On m'entend passer. Elle te regarde. Elle ouvre la porte, entrez. Je crois que M. Himmler vous attendait. Suis-je le premier? Non. À part vous, maintenant? Non. Ok. En fait, Max, parenthèse. Là. Elle regarde dehors. officiellement, là, c'est le Final Reich.
c'est pas Sabbath. Officiellement, là, c'est, non, c'est juste... Non, c'est pas Sabbath. C'est le Final Rage. C'est pour ramener le White Power. OK. OK, fine. OK, c'est clair. Ça, parfait. C'est selon Geiger. Oui, oui, c'est... Himmler s'en sert pour le Sabbath. Oui, oui, c'est vrai. Pour faire bouger ses affaires. Oh, rien. Comme Sabbath, il y a lui. Mais c'est ça, je voulais juste savoir officiellement c'était quoi. Puis... Mais... Je peux montrer ma face. Wolfgang, qui sont Sabbath dans le Final Rage. Ouais. Et Wolfgang ne sera pas là. Attends, attends. Wolfgang n'est pas là. Il ne sera pas là. Il est dans la table, dans la garde. C'est ça. Il y a une personne qui est là à part lui. Fait que si c'est tout le monde qui rentre, ils vont juste prendre une table. deux, trois. C'est toi qui arrives en deuxième après. Il est fou. Et 20. Et 20. 11h20. 11h15. Moi, je suis assez est vraiment pas longtemps. Cache ma moto! Ah. Ben non, c'est une blague. Okay. Il y a une moto qui spark, elle a descend. C'est le verre de terre qui passe. C'est une belle moto. Il y a Marble qui t'a demandé un livre en passant. Ah ouais, t'en as rien à moi. Avec d'un. Ah, me dérange pas. En fait, elle met ses mains sur tes fesses pis ça fusionne. Ça tombe, tu tombes. Est-ce que tu me sens en toi? Littéralement. Gross. J'aime pas ça. On va te masser. Que Marble la descend. Elle monte. Tout de suite. Elle cogne. La même fille rouvre la porte. Elle rouvre la porte et elle fait. Hi. Entrez. C'est attendu. Marble, elle te regarde. Ça a pas l'air. Vous rentrez, il y a lui qui est encore dans le petit salon en train d'attendre. Moi j'ai entendu le « hi ». Ah, mais il n'a même pas fait ça avec toi. C'est ça, je vais... Il n'a même pas fait ça avec moi. Je dois faire dur. Non, je suis peut-être de son goût. Je fais ça de même, la peau tombe. Ensuite, c'était... Moi, je fais 6. 5, 6, toi t'avais 8. Hein? 8. 35. J'arrive en upgrade avec ma cape. Je me. Top, top, top! Ouais. Puis je vais en upgrade 3. Change ton apparence. Ouais. Fais ton jet. C'est manipulation performance. Moi aussi je fais ça. Ah, toi tu me l'avais. Je botch. J'ai une réussite. Ça marche pas. Fait que c'est toi. Crap! Il cogne. Persia ouvre la porte. Bonsoir. Bonsoir. Au salon, là, à gauche. La porte, elle ferme. Ton char, il arrive, genre. Ton taxi, ou peu importe quand t'arrives, en char, c'est ça. Limousine. Oui, limousine. Ouais, si tu as de l'argent. Pardon, pardon. Ton chauffeur te rouvre la porte. Himmler, c'est une personne respectée de la carte. Oui, c'est le primogène traîneur. J'ai aucun. C'est pas une louche que. J'arrive dans les limousine. Non. Bon. Non. Ben, il reste pas dans un quartier très, très passant. C'est un quartier résidentiel. Je suis la belle et la bête dans la tête. Tu montes. Tu montes les marches. Tu montes. Avec la canne. La porte à rouvre. Toutes les bonnes réactions. Entrez. Passe au salon. Les ciseaux. Non, mais Lady est avec moi. Les ciseaux seulement. Vous êtes toutes là, il manque c'est juste. C'est ce qu'elle me disait hier soir. Là, il y a toi qui est encore dehors. Toi, t'arrives. T'arrives en char, puis là, je suis comme. Il y a une moto en face. Qu'est-ce que je fais presque en retard? Wow! C'est la moto à clou, ça? You don't know that! C'est vrai, tu l'as jamais vu, par contre. Tu l'as pas vu encore. Mais il y a une seule moto. Il y a juste une moto? Ah, j'en fais de la specs. Ah, il y a juste une moto. Je la pousse. Juste ça. Cling sur le côté. Puis je monte les marges. Ok, moi je le suis. Juste pour voir. Ça pogne une heure, ça assiette. Puis je vais devoir la retrouver à scratch, de toute façon. Donne des maladies à sa moto! T'as le timer! Ouais! Ouais. T'as le timer! Pas mal, ouais! Je cogne! Moi, je suis juste derrière lui, en tout cas.
La porte rouge. C'est invisible? Oui. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Je rentre. Entrez. Ferme la porte. Je passe au salon. Monsieur Himmler va venir vous chercher dans quelques instants. J'arrive dans le salon. Hey! Moi, je vais m'asseoir dans. Sur la table. Ah, ouais, toi. Ouais. Marble est assis à côté de toi. C'est juste nous autres. Marble, avec Marble, ouais. Avec Marble? Ouais. Moi, je fais ça dans la maison. Y a-t-il un autre divan qui est le seul, quelque chose? T'entends rien. Comment? Y a-t-il un autre divan qui a personne dessus? Ah, y a plein de divans. Ouais, c'est vraiment un grand salon. Je m'asseoir là, mais visiblement quand même. Moi, je suis dans le fond. Je suis dans le fond debout. Je vais pas croiser. Debout de même, là. T'as-tu des troubles avec des noces, toi? Ouais, mais... Oh, j'ai eu des troubles avec des noces. Ben... Pourquoi t'as eu des troubles avec des noces? Une noce qui a eu des troubles avec moi. Hein? Quel type de troubles? Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai été victime d'une évasion de domicile! Quoi? C'était quoi? Ouais. Puis c'était même pas moi! Non, là, c'est qui parle, ça, c'est? Marble. Puis tu me l'as dit, c'est pas... pas noce? La question est posée, c'est... Est-ce que l'invasion de domicile? Non, l'invasion de domicile d'une personne aussi chez qui j'étais. J'étais où? Après un coup de vapeur. Katharina Korn. Ok, je rentrerai là. Oh! Hey! Oh, shit, Audred! Hey! Est-ce qu'Audred, tu jugeais que c'était correct de revenir? Oui, on a parlé de ma cible. Audred, il est là! Quoi? Ta cible? Ah oui, c'est vrai, t'en avais parlé l'autre fois. Oui. C'était capable d'y trouver un petit spot sensible, là? Il en réveille ça, madame. Oui, vous parliez de Nosferatu. Hein? Vous parliez de Nosferatu, oui. Ouais, ben moi, je parlais c'est vrai, oui. Oui, j'en ai rencontré un aussi, qui fouillait dans mes affaires. Bon. Ah, ouais. Et j'ai bien l'impression que c'était celui qui accompagnait notre cher ami. Ah oui, je vois. Wolfgang? Oui. Quelqu'un qui est capable de bouger. C'est celui qui accompagnait Wolfgang. Wolfgang, c'est notre ami? Non, mais Lyson, c'est pas plus vraiment. Notre ami, de toute façon? Mais ben oui, plus, un peu. Un Lyson. Petit peu plus. Ben, c'est pas... celui qui a accompagné ce cher, Lyson. Lyson a un peu de potentiel. Je l'ai jamais vu. Oui, mais il bougeait les choses avec sa pensée. Ah. Celui que j'ai vu, c'est pas Lyson parce qu'il a réapparu. Non, ce n'est sûrement pas Lyson. J'ai été capable de le faire réapparaître. Il bougeait-il les objets avec sa pensée? Aucune idée, je l'ai vu se pitcher en bas d'un 21e étage. Alors, vous entendez? Quoi? Probablement. T'es un hostie de malade? Va chier, Himmler! Va chier! C'est mes affaires! On connaît ta pas gueule! Pas nous autres qui parlent. C'est. Cotelard. C'est Cotelard qui vous avait entendu gueuler. Je le dis! C'est pas nous autres qui parlent. Puis Himmler fait wow, ok, c'est beau, calme-toi! Ça devient silencieux. La porte à rose, il y a une fille, ben vous l'avez déjà vue, ouais, c'est Erika Geiger, la Maruja avec les petits spikes blonds à la tête. Elle ouvre la porte. Je me lève. Elle rentre, elle laisse la porte ouverte. J'y vais. Vous rentrez. Marble à l'attente. Marble à l'attente, tout le monde est debout. À se lève. Moi, je la regarde, je dis les dames d'abord. Ouais. Là. Ben, c'est ça, vas-y. Il y a le cas Giger, j'ai le goût d'aller les pailler. Marble est loin de tout. Présentement, t'es une dame. Ah, j'ai le goût, même. Ouais, des fois. Qui t'as dit? C'est quelqu'un à côté de moi? C'est à côté de moi, toi? C'est qui le deuxième qui passe dans la porte? Je sais pas. Moi. Toi? Sérieux? T'es pas game d'aller pailler une fesse. D'aller quoi? D'aller pailler une fesse à Giger. I dare you to grab her ass. Non, bitch slap her ass. Ouh! En tout cas, Milady, elle aimera pas ça! C'est ça en plus, il y a Milady, pis il y a Giger qui risque de s'enfuir en souvenir. Hey. Ça va être mal. On essaye à personne. Non, regarde bien ça. Toi, tu rentres. Toi, tu rentres. Marble rentre. Ok, tu rentres en dernier. Moi, j'attends que Lady passe. Vous avez toutes vos places au bout d'une table. Il y a sept places. Dans le fond, la table est faite comme ça. Il y a Himmler qui est assis sur le bout. Cotelard, Geiger sont assis de l'autre bord. Puis ici, t'as Persia. Et. L'autre, là. Julie. Hermann Göring.
Moi, je m'en remets bien à côté de Persia. Tu vas t'asseoir à côté de Persia. Oh, oh oui. C'est bon. Elle aime pas. Moi, je vais m'en en face. Elle se tâche un peu sans face. Tu le vois dans sa face, elle est mal à l'aise. Je vais m'asseoir en face de quelqu'un. Moi, je m'assieds de l'autre bord. En face de elle, genre. Non, de l'autre bord, tu sais, pour que. Non, mais vous avez vos places. Oh non, nos places. Vous avez vos places. Vous avez 7 places, c'est ça l'affaire. C'est clairement pour nous autres, là. Non, mais je dis, elle s'est assise à côté, puis elle s'est comme tossée. Je peux te mettre de l'autre bord, là? Non, il n'y a pas de place. L'autre, okay. C'est l'autre. Gorine qui est là. Moi, je vais rentrer en roulant les hanches, donc en même 9, 8, 9, 8, 6. C'est bon? Moi, je vais rentrer dans les grilles! Asti, je peux quasiment m'accoter sur ma queue. Ah, ma table lève, là! Oh, tu l'as pogné à la vis. Avec mon pénis. Ma vie, c'est-tu correct? C'est un an et plus ou... On est rendu 17 ans et moins. Là. 17 ans. Écoute, quand tu reviens t'asseoir, là, je fais... Je tiens à préciser que Milady désapprouve totalement ce genre de comportement. Est-ce que tu as passion sur les bains ou... Oui, on va parler à la maison. Tout le monde vous asseyez. Toi, t'es assis de l'autre bord de la table. T'as pas pris une des places qui étaient pour vous autres? Non, je voulais m'asseoir. Je vais faire un clin d'œil à Eric. Elle te regarde quasiment en voulant dire follon chier. Moi, je m'assieds sur un coin. Genre, en pester le moins de monde. Fait que. C'est gentil, lui. Hey, il me lève, il se lève debout. Il fait. Je vais mettre de l'étiquette. Bonsoir, monsieur Dan. Merci d'être au rendez-vous ce soir. Je peux constater qu'il y a quelqu'un qui manque. Wolfgang ne sera pas ici ce soir. Pour ceux qui n'est pas au courant, il a quitté la ville pour des raisons personnelles. Il va revenir dans quelques semaines. On va procéder. Ça, je suis pas au courant. Moi, si quelqu'un me regarde, j'ai un petit sourire. Là. On a tout un sourire. Moi, comme... qui a fait non, moi, je souris jamais. Non. C'est clair, c'est ça. Mathieu, tu sens que tu mon sourire, c'est ça. Sinon, ça fait mal. Imagine quand elle a l'air bête. Maintenant, Cotelard, comme que je disais il y a quelques minutes, on a beaucoup de nouveaux membres qui vont se joindre à nous ce soir. C'est ça, des nouveaux membres. First of all, il faudra qu'ils passent par moi en premier. Ça, tu le sais. Qui dit ça? Cotelard. Je le regarde. Mais lui, ils connaissent. Oh oui, lui, il le connaît. Moi, c'est... Lui, il l'a déjà vu. C'est qui, ce monde-là? Ce monde-là, c'est des gens que je connais... par certains contacts. En fait, ça te regarde crissement pas, Cotelard. Parce qu'en ce moment, ce qui se passe, c'est que je suis en train de faire rentrer du monde pour nous aider à faire ce que ta petite crise de gang n'est pas capable de faire. Cotelard se lève debout. Fais une arme. On va quand même faire un check de self-control. C'est un enfoiré, non? Oh, oublie ça, man. Ah oui, il l'a. 9, 7, 6. Moi, je partais Majesty pour le commun. En frenzy, c'est fuck ton majesty, hein? Oh oui, je suis en frenzy, va chier. C'est pour ça que la frenzy devient pratique. Ok, je tombe en frenzy. Ça prend un mérite pour ça. Tu peux pas tomber en frenzy quand même comme tu veux. Non, mais tu peux la sortir, imagine, pas hésiter. Oui. C'est manipulation quelque chose? Manipulation. Empathie. Empathie. Difficulté humanité. Oh, à ta minute. Tu fais ça, Scotland, toi? Toutes tes idées sont de réussite. Difficulté de 2. Oh, ah! C'est des réussites! 1, 2, 3, 4. Ok, c'est bon. Tu le calmes. Okay. Tu le calmes solide. Il va comme. Il va juste. Vous venez d'où? Salut. Toi, la lopette? Milan. Ben, je me souviens plus d'où est-ce que je suis. Moi, à l'origine, l'Ukraine. Ouais, c'est vrai. Merci. L'Ukraine. Salut. Il regarde Marble. Transylvanie. Sans farce, il fait vraiment comme what? Ta gueule! Qu'est-ce que ça Marble
Marvel a dit ça à Cotlan. Cotlan, il fait comme ouh, est-ce que tu veux vraiment jouer à ça? Oh. Non, non, j'ai pas le temps de jouer à ça. On a un meeting. Ok, procède, le grand. Si je serais pas marié, je t'épouserais. il regarde Himmler. Himmler fait prévenu. Tu m'avais prévenu de rien. Oh, oui. Juste avant que tu te mettes à gueuler et à perdre les pédales, je t'avais averti. Ils en ont de la gueule, plus que toi. Puis la réunion, elle. Bon. On veut faire mal, et on veut faire mal vite et fort. Donc, Cotlar, pourquoi tu commences par moi? Parce que j'ai hâte que tu crisses ton catching. Tu es assez direct comme réponse pour toi, ça? Fait, oh ouais, accouche. J'étais curé d'être ça. Fait, bon. Toutes les petites gangs que t'as sur le bord de la strip, demain, minuit, je veux que toutes ces places-là brûlent. Toutes tes genres de baraques, toutes tes places. Je veux que tout le monde pense que ta gang a reçu un assaut. What? Pourquoi? C'est quoi ton esti de problème avec tout l'argent qu'on a investi là-dedans? On s'en fout de l'argent. Présentement, les deux princes sont en train d'essayer de te rentrer dedans. Ils savent pas que c'est toi qui contrôles ça. Laissons-les penser que c'est fini. Brûle pas tes hommes avec, esti de sans-dessin, là. Demande-leur de brûler la place. Trouve-toi une place pour réunir ton monde. Demain? Chris, laisse-moi 3 jours, man. Là. J'ai un vrai 100 gars à retrouver dans toute la ville. Je parle avec... 3 jours, deal. Je suis d'accord, t'as beaucoup de monde éparpillé partout. Mais je veux que ça saute. Solide. C'est bon? Je peux te laisser partir avec ça? Ouais? Tu ramasses ta crise de cruche avec toi. Hey, mon tabarnak! Check de save comme ça. Oh, elle a le botch! Fuck yeah! Elle a le tabarnak! Puis elle saute par-dessus la table! Je peux-tu sauter, moi, tout, genre? Ouais. Fais un check d'ini avec elle. Yeah. Attends, moi aussi, je vais faire un check. On va tous se lever, man. Wow, la bataille, man! C'est quoi l'ini déjà? Je prends un bloc, on va se lever. On fait tellement genre bataille! Ah oui, on se met à gueuler! Bataille! Blood! Y'en a un qui parle, moi, non! J'ai 4 réussites. C'est bon. C'est quoi le fait que moi, je fais juste sauter target? Puis je la pomme au vol. Toi, tu l'as pogné. Attends, qui d'autre faisait de quoi? Ben, c'est quoi le target d'initiative? J'ai 4 de. 6. 2. Où je gueule? Mais là, on fait quoi en même temps, ça veut dire? Blood. Ouais, ben, moi, je fais juste sauter, je la pomme. Okay, soit je l'écrase dans la table ou l'autre bord bon. De la table. Toi, t'essaies de faire ta call. Ouais, c'est ça. Toi, t'essaies de faire quoi? Ben, c'est pas mal la affaire que je voulais faire, en fait. Juste la pogner. Vous allez faire un mur en avant d'elle. Ouais. Fuckez pas. Vous êtes deux et être seul. L'arrêter. Tu faisais quoi? Ben moi en tant que tel, je vais essayer de la. Juste comme frapper avec la canne pour la knocker. Tu vas nous knocker les deux en même temps. Les trois. Fesses, mais ça me surprendrait que ta crisse en torpeur one shot qu'elle tombe dessus. Non, mais ce que je veux dire, c'est comme. Prends pas la grosse de la madame. Tu fesses. Tu y fesses dans le dos, puis eux autres font bang! Ils l'arrêtent. Vous êtes debout sur la table là. À moitié, là. T'sais, un pied sur la chaise, un pied sur la table. Là, moi, j'ai vraiment. L'arrêter. Dreadgaze, ça marche super. Mais c'est ça, bang! Les deux, chacun de votre bord. Dreadgaze en Frenzy, ça marche super. On tape dans les mains en même temps. Yes! J'y tiens la face dans quelques. Dreadgaze en Frenzy, ça marche pas. C'est bon. Tout ça, 7, 8, 5, 5, 3. Non, désolé. Fuck off. Qui d'autre fait quelque chose? Personne fait d'autre chose. Moi, je fais mon round. Il me lève. Il va se reculer de deux pas, puis il va regarder dans les yeux. C'est quoi la réaction? Il y a vraiment un eye contact avec elle en ce moment. C'est la réaction de la Madcap sur le coin de la table là-bas? Elle bronche pas, elle. Oh, tabarnak! Bon. J'ai 2 réussites. C'est quoi la réussite pour toi? Fait que, deuxième round, elle a. Ah! Elle essaie, c'est lui qu'elle essaie de pogner. Moi, j'ai 5 de force, 3 de potence, je fais juste les foirer dans la table. Là. Tu l'as tapé, là. Eux autres l'ont bloqué en même temps. Okay. Parce que j'ai 3, je peux y faire des dégâts pareil. Vas-y, mais comme je te dis. C'est combien de. C'est ta force. Non, mais pour toucher. 6.
Moi, je m'assois dessus, Corinne. Avec ma force. Moi, je dis à 5, il y a 8 là, avec la force et la patente. J'ai 8, 5 de force, 3 de patente. Puis moi, je t'ai la face à la table. Ça, là. On a tous de la potence comme des fous, je pense. Non, on a tous de la potence. Moi, j'en ai deux bashing dans le dos. Non. Bang! J'étais pas là quand vous avez deux bashing dans le dos. Là, vous autres, vous la retenez. Moi, j'étais assis. Elle est comme couchée, là, parce que lui, il retient sa tête. Moi, j'étais assis sur son cul. Elle essaie de le pogner pareil. Elle est pas capable, là. Elle est trop loin. Vous la maintenez, vous autres? Ben, moi, je prends mon poing puis je regarde. Himmler et Cutler. Fuck Cutler. Je parle pas. Cutler, là. Parce que là, il a rien fait au dernier round. Hein? Fesse! Fait que ça, c'est le premier round. Le round, je suis craqué et j'entends fesse. Ouais. Là, moi, je pars en scellé. Fait que le round suivant, c'est. Cutler part en scellé. Il va te ramasser, même. Tu viens, t'es en train de descendre là, vers elle. Il part puis ça fait. Il va crisser une tape. Ça, c'est quoi que t'as dans les mains, ton... Non, mon poing! Il va juste... Non, mais je suis même. Okay. Ça, c'est ma première action de scellé. Oh, je te pogne. Combien il fait d'action? Je résiste même pas. Moi, j'allais donner un coup de poing s'il me bloque. Moi, je fais juste une action. Je fais juste rester dessus, puis je la maintiens par terre. Moi, je vais prendre un bloc. Pour la scellé. C'est bon. Je vais rester, j'ai tapé. Là, je vais partir... Je vais prendre un point de ça. Toi, tu gueules. Moi, je t'ai dit un malade, genre. Fais. Moi, je reprends ma face. T'as pas ta place? Je reprends ma face. C'est assez. Ok, t'as une note. Lui, je sais que c'est quand même un bad motherfucker. Pour reprendre ma face, ça me plaçait les seins. Je cours après, genre dans la rue. À part si ta face, c'est une moto. À une part deux, trois, si ta base a une moto crise de corps de fou. J'ai trois réussites, ça fait. Pah! Il arrête ton voix, il fait. J'ai même pas. Je résiste même pas, je suis comme ok. C'est bon. Toi, tu prends ton rigomotus, ouais. Toi, tu restes assis dessus. Yep. Il me laisse reculer, il fait. Lâchez-la. Puis vous sentez que ça lève, là. Quoi ça? Elle. Ok, ok. Ah, moi, je me tasse. Quelqu'un, elle lève. Je me tasse. Vraiment... Ouais, je me tasse moi aussi, là. Tu vois la face de Cutler faire. Bang! Bang! Deux fois dans le plafond. Elle bouge plus. Elle retombe sur la table. On peut parler maintenant. Est-ce que Cutler tient encore le bras de Snack? Oui. Lâche mon chat, mais c'est-tu marron. Oh, tabarnak! Oh, fuck! Oh! Oh, dang! Chaneuf, je l'ai. Correct. Je vais prendre un bloc là. Là, j'en prendrai un bloc. Hein, non. Moi, j'ai réussi mon jet là. La porte avec le rigomoteux, ça l'a lâché. Sa main? Ouais. On fait un check de force. Pas de problème. Faire, j'ai combien de. Moi, je rentre dans les lits, ok? Fait que je sais pas c'est combien vous avez là, mais. 1, 2, 3, 4. Ah, t'as une minute! T'avais un 3 puis un 4. 1, 2, 3, 4. Non, c'était là, t'es pas fini. C'est de la chie! Fuck, mon Lily, là, je vais pas t'en compter! Une, six, sept! Ah, c'est je fais comme. Mais tabarnak! Merci, je pogne Giger par la jambe. Il a crié sa terre. Il a ramasse en poche de patate. Il décalisse. J'essaie de faire quelque chose. Quoi? J'essaie de pogner une de mes cartes. Pis de la sacrer dans une de ses poches, genre. Fais-moi un. T'as-tu du. Ah, lui, je vais lâcher. T'as-tu du pickpocket? Non. Je vais Dex. Lâcher. Il s'en va, là? Dex. Je vais lâcher le bitchy, là. Dis-y. Oublie pas demain, barbecue à minuit. Non, c'est dans 3 jours. Hein. Ah, c'est dans 3 jours. Ouais, il y avait. On est quoi, là? On est le 30, on est qui? On est le 30, on est le 30. Ah! Lui pas vendredi, barbecue à minuit. Il fait juste faire ça de même. À tout, je veux savoir c'est où je vais y aller. Je sais là. De quoi ça? Les places qu'il faut qu'il fasse brûler. Ok, t'en as pour 2 semaines. Il y a au-dessus de 35 places. Ah, pour vrai? Je sais pas comment il s'est arrangé, mais toutes les petites, chaque petite gang, sont, des fois sont 5, des fois sont 10, des fois sont 3. Ils ont tous leurs petits bunkers. Je veux tout casser, ces petits bunkers-là, pognent en flamme en même temps. Ouais. Bon!
Le garde Goring, toi, as-tu quelque chose d'intéressant à dire à soir? Ouais. Qui ça? Goring, c'est... Goring, l'autre. C'est Armand, ça? Oui, celui que t'avais vu, celui que t'as vu la veille. C'est le chef de la compagnie. Tu l'avais vu la veille, là? Tu sais, quand t'étais en train de faire vomir le gars, oui, il était à côté de toi, puis il riait comme un cave avec toi, là. En castant des calices. Ouais, c'est vrai. Il fait, de toute façon, c'est lui, c'est vrai. C'est le chef de la propagande pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Tu savais? Il fait... deux affaires. Premièrement, je le sais que tu le caches. Il pointe une lettre, je sais que tu le caches. Il y a un shitload de surf en plus. C'est tout. Ouais, ça va être fou. Regarde, reviens-en avec ça. Là. Tu me dis ça à toi et toi au moins quand on se fait un meeting. Peut-être, mais je te le rappelle. Short kick au pas besoin de me le rappeler, je sais que tu dis des conneries. La trois quarts du temps, quand tu parles, c'est comme des mouches sur de la merde. Ça fait pas grand-chose. Ensuite, qu'est-ce que t'as d'autre à dire? Oh, ouais, bon choix. Les loups-garous ont eu de la visite. Ils me l'ont fait. Je te regarde toi. Pardon. Oui, les loups-garous ont de la visite. Sais-tu qui, quoi, quand, comment, pourquoi? Absolument pas. Moi, je te dis juste que les loups-garous ont eu de la visite. Fait que c'est ça. Ciao, gang. Il se lève, il décalise. C'est ça, ciao. Herman, il fait que c'est ça. Bye. Il s'en va. Herman Goring. Faites bonjour de... Merci, hein? Ah, ouais, pour plaisir. Fait plaisir. Steve, celui qui était venu chatter. Toi, Persia. Bonjour, Agathe. Toi, Persia. Bonjour! Est-ce que t'as quelque chose à dire? En tout cas, je peux vous dire que... à l'Est, sont sur les dents. Mm-hmm. Je suis certain qu'à l'Ouest aussi. Pourquoi? Parce que tout le monde se demande ce qui s'est passé à l'Ouest. Oui. Ça porte pas grand chose à l'Ouest. Bon, si je vous dis qu'il y a des chances qu'il y a un Justicar Tremere qui se présente, ça vous dit quelque chose? Ça devrait arriver bientôt. Je vais regarder Blanc. Persia, est-ce que tu avais quelque chose à dire? Oui, j'ai vu une des formes bleues. Je le sais pas, c'est quoi, je les connais pas. Ceux-là, je les connais pas du tout, monsieur. Écoute, continue ton enquête. Je vais avoir des réponses là-dessus. OK, y a pas de problème. Pas de problème. Bonsoir. Salut. Là, OK. Ouais. Avant qu'elle s'en aille, Attends. Elle se lève. Ouais. Puis là, vous regardez. Tu sais, y a... avec Marble. C'est parce que Max les connaît pas, mais elle vous nomme toutes par un des noms des nains dans Blanche-Neige et les Sept Nains. Ah! Dans mon grain, bon, jeu propre. Moi, je vais être bon grumpy, bon, c'est clair, là. Puis, sans faire, ça n'a aucun lien avec vous. Puis, elle clair. S'en va. Bonne soirée. Ah, bah, moi, je veux savoir si elle m'a appelé Simplest. Non. Et mieux pas. T'as combien d'intel? Quand même trois. Ah, c'est quand même pas pire. Est-ce que quelqu'un a fait quoi? Oui. Quoi? Le Madness Network, ça marche ou... Pas encore. Ça s'en vient, par contre. Pendant qu'elle s'en va, je me lève. Je suis comme, hey, Persia, je pense que tes ombres bleues, je l'ai vu dans l'hôpital. À l'hôpital? Ouais. Troisième corridor, troisième étage. Ok. C'est pas ça. S'en va. Avant de refermer la porte. Merci. Elle est polie. À part. Bon. Très folle, très là, on peut passer aux choses sérieuses. Ouais. Juste écart très mal, d'ici deux semaines, Max, il va être ici. Il arrive de loin, lui. Toi, faut pas qu'il te voie. Non. Moi, je suis ici depuis un petit bout, fait qu'il va pas... C'est sûr que c'est Gustave qui va vouloir me faire chier. Ça, je le sais. T'entends pas? Pas ben ben. Disons que v'là une couple de centaines d'années, Gustave l'a sorti à coup de pieu dans le cœur. Puis rien? Puis rien. Mais par rapport parce que là, il y a une raison de revenir. Par rapport à ce qui s'est passé à l'Ouest. C'est pour ça que je vous dis que à l'Est, c'était ses archontes. C'était ses archontes. C'était à lui? Ouais. Ça, c'est pas un avantage. Oui. Fait que c'est pour ça que je veux que dans trois jours, toutes ces affaires brûlent. Je veux que ça passe comme c'est eux autres qui ont fait le coup.
les personnes se sont vengées. Merci, bonsoir, on en parle. Je vais essayer de faire passer ça sur le dos de quelqu'un d'autre pendant ce temps-là. Oui, mais peut-être une certaine manipulation des médias pourrait être intéressante. Oui, c'est pour ça. D'accord. Ils vont être tellement être occupés sur les gangs de rue, puis à lui mettre ça sur le dos, qu'on n'entendra pas parler d'un autre pendant ce temps-là. Faudrait en sacrifier quelques-uns. C'est quoi les nouvelles de la ville? Avez-vous genre avec des gens en ville? J'essaie de rencontrer Cutler avant cette nuit. Malheureusement, il était assez occupé. Il est difficile à avoir. Oui. Je vais retenter le coup maintenant que nous sommes vus. Ça va être encore plus difficile maintenant. Maintenant que nous sommes amicales ensemble. Ah oui, j'aime la façon que vous dites. Mais sinon. Ben, moi personnellement, j'ai fait un tour à un certain bar, puis. C'est ancien, mon bar? Oh, ouais, oh, voyons. Tap, tap, tap. Tap shit, tap, là. Tap, en tout cas. Tap non, shit. Un autre tap out, là. Tap out, tap out. Ouais, c'est ça, tap out, tap out. Yeah. Ouais, ben, en tout cas. Ils ont l'air à. Ouais, c'est un. C'est un gros joke, ça. Ouais. Hein? Quoi? Ouais. Que tu veux dire par au courant? Ok, fait que le Broudja est au courant de ce qu'on est. Et je suppose que c'est pas un problème. Mais quand même, c'est un problème. Marble a fait non. Non, c'est vraiment pas un trouble, il est encore vivant, inquiète-toi pas. Non, sinon, c'est on, même s'en, pas un calme. On s'en serait occupé. C'est même pas un calme, c'est même pas un sabbat. En fait, on appelle ça un esti de tarquiste. Il se mêle de rien, il fait ses petites affaires et il s'en fout. Il de rien jusqu'à temps qu'il a l'avantage de plus. Mais je crois faire. Que les Nosferatu sont plus un problème. Ouais, parce qu'ils savent. Ouais. Bien sûr, le garde du corps. Ils s'en servent. Je pense que le problème, c'est Himmler. Pas Himmler, mais. Eliason, ouais. Quoi? Je pense que Eliason, ça va. Exactement. Son garde du corps est venu fouiller chez moi. Enfin, je crois que c'est lui. Quoi? Rasputin est allé chez vous? Je parle. Qui ça? Ça m'étonnerait que ce soit Rasputin. Attends, tu veux. Qui ça? Rasputin? Tu me laisses Rasputin? Non. Il peut avoir plusieurs Rasputin. C'est pas comme ça qu'il se fait appeler, là, mais c'est le Rasputin. Non, le Rasputin. Le Rasputin a été tué il y a déjà plusieurs années. On n'avait pas participé à ça. Oh, oui, c'est d'autres qui l'ont fait. Okay, fait que quoi? Vous... Ouais. Ben, vous avez manqué votre shot, gang. De quoi tu parles? Non, non, on n'a pas manqué notre shot. Rasputin est mort. Ben non, il n'est pas mort. Parce qu'il a été transformé en Nosferatu. Bon, ben, ça explique bien les choses. Donc, Rasputin a fouillé dans mes affaires. Mais je vais devoir pas être je suis Rasputin, je fouille dans mes affaires. Ok, donc, vous avez tenté à sa vie. Peut-être pour ça qu'il est allé fouiller dans tes affaires. Donc, tu niaises, Rasputin est en ville. C'est pas lui qui est allé. Oh, ben, calé. Moi, je sais pas, j'ai pas vu. Tu niaises, Rasputin est en ville. Mais t'as dit que c'était un os. Ouais, c'était deux. C'est rendu un vampire. Non, mais c'est parce que tu dis, genre, bonjour, je m'appelle Rasputin et je fouille dans tes affaires. Non, non, mais moi, je le sais, c'est qui. Ben oui, c'est une information qui nous manquait, ça. C'est quelqu'un qui peut bouger les choses. Parce que moi, j'ai son deux esprit. Gars qui m'ont attaqué. Il y a peut-être un Rasputin là-dedans, ou deux. Il y a peut-être des chances, ouais. Parce qu'il y a des gens avec... Ben, en tout cas, il y a des gars qui sont partis. Ben oui. Eliason vous a vu. Lui vous a vu. Donc, c'est ça. Donc, si un Nosferatu... Il sait qui vous êtes, si vous avez attendu à sa vie. Watchez-vous. Vous avez les noces sur le cul. Non. Ben, il y en a un de moi. On rentre dans les noces. À partir de maintenant, les autres nous sont sur. Oui, oui, on rentre dans les noces. Qu'est-ce qu'on fait? Tu donnes les goûts? Si vous pognez Eliason, je le veux vivant. Oh. Sérieux? Sérieux. Moi, je drop la fourchette de c'est le gars en ville à Berlin qui connaît le plus de choses sur le plus de gens en ville. Oui, c'est les yeux trafic. Et les oreilles de Berlin. Par contre, Rasputin doit mourir. Je m'en crisse. Buvez-les jusqu'à Aquen. J'en ai rien à foutre. On va te tuer pour vrai. Faites ce que vous voulez. Sans faire, si vous me débarrassez de Rasputin, bravo. Pas besoin de soleil si on a ça. Non, non, je m'en fous. Je veux vraiment le brûler au soleil. Je veux être sûr qu'il est mort. Ça fait encore plus mal. Il va brûler le vous l'avez laissé pour mort dans le fond de l'océan. Un humain, ça se naigne. Une goule, c'est plus dur. Je m'en souviendrai bien. Une goule, c'est plus dur à noyer. Surtout une goule de 800 ans. Ah oui. Ouais. Je me suis informé sur lui. C'est bien parce que c'est pas une menace pour moi présentement. Mais là, c'est une menace pour vous autres. Je vais tuer, ouais. Faites attention, il fait de la thaumaturgie. Oui, nous avons bien vu. Et là, le... Il est solide.
Il est très solide. C'est un guerrier. Alors, j'aurais, si vous le souhaitez, ouais, j'aurais besoin d'assistance. Oh, oui, pas de problème. Moi, je suis prêt à faire je suis pas retourné chez nous encore une fois. Depuis deux, trois jours. Je vais parier qu'il est allé chez nous. Viens avec moi, on va remplir le pari. Allons-y. Absolument. Est-ce qu'on y va tous? Ah oui, oui, ça serait le fun. Il y a quelqu'un en ville, à l'ouest. Une toréador, Antoinette. Elle va recevoir une invitée spéciale. Elle va recevoir sa sœur. Ça sent le vieux. Je le sais pas. J'aimerais qu'elle ait de la peine pour les 100 prochaines années. J'espère que ça va. Vous allez nous attendre pour le festival. Est-ce qu'il va y avoir un événement dit public? Oui, elle est censée donner un spectacle. Ah, pour vrai? Oui. Et si vous pourriez faire ça en public, ça serait... Oui, je peux ruiner ça, un spectacle, voyons donc, c'est pas ça. Écoutez, Antoinette a un piano-bar. J'aimerais qu'elle meure. À l'ouest? Oui. C'est un restaurant, piano-bar. Le Fabulous, genre, ouais. Le long? Le même restaurant que... D'un bar, c'est un restaurant. Je suis à l'ouest aussi, oui, je sais pas ce que vous parlez, je pense en avant, quelquefois. Et ça sent rien, devrait jouer là d'ici quelques jours. À que je sache, son avion atterrit dans deux jours. Connaissez-vous le nom de l'empereur de l'artiste? Non, malheureusement. Mais c'est sûr et certain que vous allez la voir là-bas. Oh, ça va être fun. J'aimerais qu'elle meure publiquement. Faites un beau bruit de mascarade chez Antoinette. Que les yeux soient ailleurs qu'à l'est. Oh, nice. Ouais, ça se passe, On a du fun! Là-dessus, je vais... Je vais essayer d'assister au spectacle. Oui, assister au spectacle. Mais tu seras le témoin. Je peux pas, je suis pas témoin, mais je peux pas participer à ça, même si j'aurais aimé ça beaucoup. Tout le monde pourrait participer. Oui. Oui. Tout le monde. Oui, je partais là. Moi, est-ce qu'on se déguise dans le serveur? Ah oui, on se déguise dans le serveur. Là-dedans. Ah oui. Faites ce que vous voulez. Je suis âgé 47 et 48. Est-ce que vous avez d'autres idées, d'autres plans, d'autres gens avec qui vous avez discuté? J'ai un plan, mais je sais pas si ça fonctionnerait. Le zoo, là. Le zoo, ouais. Ouais, faire sortir ces animaux-là. Non. Non. Pourquoi? Je veux pas avoir les ventrous sur le dos. C'est ventrous, le zoo? Sûrement. Ouais. À l'argent qu'il y a là-dedans, c'est pas une bonne idée de les déranger. On peut foutre la merde. Libère pas les animaux. OK. On veut pas que la bouffe soit en danger. Ouais. On veut que la canne sentent qu'il y a quelque chose qui marche pas. Pourtant, une épidémie pourrait être... Ça va faire deux grosses trinques à l'ouest. Absolument. Si vous faites... Oui. Mais si vous faites une pandémie, on va avoir l'armée sur le dos. J'ai mieux vous avertir. Avant qu'on le fasse, ça, faut qu'on soit prêt. Parce que ça, personne rentre, personne sort. Ce qui peut être une bonne chose, mais enfin... Une mauvaise aussi, si on veut avoir des touristes, là. Si on veut que la ville continue à vivre. On veut pas détruire Berlin. On veut prendre Berlin. C'est pas la même chose. Oubliez pas ça. J'ai pas beaucoup d'aspects, mais je regarde autour. Elle a l'air créatif. Je comprends. Mais même si Berlin est détruit, même si ça prend 10 ans, 20 ans à reconstruire, c'est rien pour nous. Berlin est déjà en dette à cause de la guerre. Se reconstruire, ça y a déjà tout repris, puis c'est même pas terminé. S'il faut qu'on remette tout à terre, ça, on va régner sur rien. Ça a été une puissance pendant les 50 dernières années, ça va le redevenir. Come on, il n'y a pas juste Berlin. Présentement, oui, on est à Berlin, puis c'est ça qu'on est venu faire. Ça, c'est vrai. Bon! Est-ce que quelqu'un a d'autres chassés d'inos? Est-ce que vous avez encore besoin de moi? Non. Je vais essayer d'aller chercher de l'information sur la date exacte du banquet et de les faire inviter par Catalina. Oui, absolument. Si vous pouviez avoir un deuxième banquet. Catalina n'ira pas là. C'est à l'ouest. Catalina n'ira pas voir le spectacle. Au moins, je vais pouvoir le mentionner comme quoi qu'il y ait ça puis que j'aimerais me faire inviter. Puis je vais inviter. Vous allez voir. Je vais vous donner des informations. Ça va être malade au TV. Pas de problème. Parce que je vous suis ou j'assiste? Comme vous voulez. Je vais fesser ceux qui vont sortir. Si vous voulez rester ici ce soir terminé, ce que vous avez à discuter, pas de problème. Moi, j'ai à faire. Bonne soirée, messieurs, dames. Bonne soirée. Nickel. Je vais quitter. Je vais oui, tu fais ça, oui. Je peux avoir les informations. Je vais essayer d'en parfait. On peut... Ah, je peux ça en parler? Oui, oui. Je vais avoir une bouteille ou tout, s'il te plaît. Il y en a plus. Ah,
s'en fout de main, ça choque. C'est le tableau que tu traverses dessus. C'est quoi? Ça choque. Fait que, ben moi, je vais... Donc? Je vais aller au bord principal de Catalina Conferme. Je suis à chez toi? Oh oui, tu rentres facile. Oui, on va aller voir. Est-ce que bon, ok, attendez. Là, vous allez où? Toi, tu t'en vas au bar à Katerina Confirm. Toi, tu fais quoi? Ben moi, je l'ai continué à jaser encore un peu. Ok, qui restait à jaser? Ben là, moi, j'écoutais les autres, qu'est-ce que ça en allait faire? On veut continuer à jaser, par contre, okay, un petit peu. Lui, il s'en va, fine, continuez. Tant que clin, pas. Donc là, ce que je vois, on aurait deux types. Les Nosferatu. Ouais. Et Antoine... Ah, les Nosferatu, excusez-moi, Rasputin. Oui. Rasputin doit mourir. Rasputin doit mourir. Elison, sur une planche, c'est pas grave. Si Rasputin meurt, je crois que le message sera assez évident pour les Nosferatu. Ouais. Avec ça, oui, on peut commencer avec ça. Ouais. Oui, concentrez-nous. Hier, ils ont perdu un Nosferatu, puis il y a eu un témoin. Mm. Fait qu'ils vont savoir qu'on y est. Moi, je séparais notre groupe en deux. Mm-hmm. Un groupe qui va s'occuper d'Antoinette et l'autre groupe va s'occuper de trouver Rasputin. Rasputin. Oui, mais ben moi je vais trouver Rasputin. Oui, mais une fois trouvé Rasputin, on est meilleur en groupe. Oui, je t'accorde. Fait, mais le trouver. Ça va. Le trouver, ouais. Parce que ouais. Rasputin, malheureusement, j'ai essayé de le prendre par surprise et même un couteau sous la gorge n'a pas pu le faire. Non, mais je vais le trouver. De toute façon, on trouve des informations des deux côtés sur Antoinette, d'ailleurs, et Rasputin, où est-ce qu'il se trouve. Donc, on sépare en deux groupes. Hey, on sent qu'on a le dossier de là. Tu penses que Naimo est encore en ville? On ne l'a pas vu. Sûrement. Tu restes Naimo, mais on va, aller dire ça. Ceux qui s'occupent de Rasputin, allez dire ça à Naimo que Rasputin est encore là. Ok. Elle reste dans le tabarnak et elle va vouloir pas participer, sûrement. Oui. Ici. J'ai eu bien le temps. Qu'est-ce que vous diriez si on se refait un autre meeting dans deux ou trois jours? Monday. Pour voir qu'est-ce qu'on a trouvé comme avancement. Ouais. Marble a fait. À notre avis. Elle vient toutes les cartes. Quoi? Tu reconnais la carte? C'est une carte de la même hôtel de Catalina. Ah oui, c'est vrai ça. Donc, vous donne toute une carte d'hôtel. Attends, eux autres, ils couchent à la même place, là? Puis ils savent pas. Ouais, t'es plus là, toi? Oh, ben oui. Non. Là, c'est ça, Marvel a vu une carte. Je n'ai pas encore été dormi là. Mais on a une suite pour 2 mois payés. Bar open, ça, gang. Ah, sérieux? On décalise en bas de la, dans tous les égouts. On sac notre camp de là. Si Elison est au courant, ça peut être dangereux, notre cul. Naimo est au courant? Oui, ouais. Elle a déjà sa carte. Ah, sweet! Ah, malade! Oui, on va le voir chez moi, mais je veux ça aller là. Donc, ça va dans ma tête, ça fait shit. Si on se dit que dans. C'est une party qui est en dessous, appelle pas la police, c'est juste nous autres. Dans 2 ou 3 jours, on va faire. On t'aimerait de violer ta mère. Puis, vous trois, vous vous occupez de trouver des informations sur Rasputin. Mm-hmm. On s'occupe pour Antoinette, puis regardez les lieux là-bas. Marble fait quoi? Marble, a fait toujours ce qu'elle veut de toute façon. Marble, Rasputin. Et quand je veux Rasputin, s'il te plaît. Ah, viens-t'en avec moi, Mambo. Qu'est-ce que tu Non. T'es-tu dans la moto? Ouais, pourquoi? T'es cool. Elle s'en va. T'es embarqué avec moi. J'ai des jambes, tabarnak. Oh, autant que tu veux, en plus, c'est ça le prix. Ça ouvre la porte, ça te fait un. Ah, toi, t'as raison. T'as mis ta moto, toi? Hein? T'es allé chercher ta moto, toi. Tu m'en vas voir, Mambo. Ouais, y'a-t-il un problème? Prends tout. Je sors dehors avec. Ouais. As-tu déplié Wolfgang? Non. Donc, Puis alors, y vas-tu? Vous en faites part. Oui, je vais juste. Je t'attends dehors. Moi, je suis dehors, là. Okay. Moi, je suis allé rejoindre Marble dehors pour lui poser une question. On se rejoint. Marble dehors, man. Marble est pas à côté de la botte de baseball. Ouais. Marble est pas à côté de la moto. Je savais pas que c'était à elle, c'est moi qui l'ai fait. Je suis en train de descendre. Je me souviens, c'est à moi. Qu'est-ce que j'arrive pendant que t'es dans le fort? Attends, moi je vois ça. Ouais. Je rentre en dedans, aller jaser. Je monte mon blood. Oh. Ok, je monte pour sortir de la salle. Je monte ma force. Puis rentre dans l'emplacement. Hey. Ah, tapette la moto. Non, je monte ma force, j'arrache le tire. On a fait un crise de beau coup avec. Je me souviens au bout de mes bras, genre. On fait une méchante bonne team. Tu sais, quand on l'a pogné sur la table, c'était malade. Ah ouais, c'était malade. Ouais, ouais, il faut qu'on travaille encore. Elle pète en morceaux, man. Ah, cool. Après ça, tape sur l'épaule. Ouais, je sors. Je rentre dans mon chambre. Marvel, elle embarque à côté de toi. Elle embarque avec toi. Elle fait, ça va où? Ben, j'étais en dread, là. Ah.
Donc, début de la nuit, je mets la clé. Tu t'es voir à la zone, ça? Je sais pas. Je vais tout être là, je pense. C'est pas qu'il parle vite, c'est ça. Clock! Il y a même une cassette. Je sors. C'est du Rush. C'est du. Ça vient d'où? C'est quoi ça? C'est pas du Rush. C'est du Rammstein? C'est du Rammstein! C'est du Rammstein! Ah ouais, ça, je brote le son. Par exemple, il m'a dit pour l'hôtel, je vais leur dire de tirer low profile là. Parce que vous avez pas d'idée dans quel lead guy vous êtes. Tu m'as regardé genre 4 fois en disant ça, faire low profile comme d'être là-bas. C'est pas quel nid de qui va se passer quand vous allez être là-bas. Non. Bon, ben, je sors pis je pète ma coche. Tu sors la deuxième du principe. Ben, I guess, non. Moi, j'ai une partie de la gueule. Oui, moi, mon char recule pis il y a du engin dans le coton. Il y a moi. Il embarque. Il y a moi, duel pis il va un bas. Tout sort. Il embarque dans le char, genre. Je ne mets 5 pas derrière elle, juste pour être sûr qu'elle est dans son char. Tu ouvres la porte, tu fais 2 pouces. Ta moto est en tabac. Ta moto est en morceaux. Il manque un tailleur, tu fais comme. Il est à l'autre coin de la rue là-bas. Non, t'es pas une broujo. Ben là, mais... je pogne les nerfs, c'est clair, là. De la pétine frenzy. T'es-tu broujo? Non, c'est une gangrel. Non. Chris, non. Ah ouais? Non. T'es juste en beau tabarnak. J'ai l'impression que le prince t'a prêté. C'est le prince qui a donné ça. Ah, sérieux? Oh oui! C'est une hostie de moto qui vient de décoller. C'est de fou là! Ouais. Oui! Oh! Bang, 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 bang! Je pensais que c'est une petite canal, merde. Hein? Je pense pas que c'est une moto qui vaut genre 200 000. Ouais, ta moto, là? Oh mon dieu! Oh, puis il demande ça! On l'a fait un check. Je me pousse! Je te réponds même pas, je me pousse. Je mets mes écouteurs, je me pousse. Moi, je repars par les égouts, puis je m'en vais genre à notre haven commun, voir si Nemo est encore là. Moi, j'aurais besoin de moi un bowl. Mais t'es assis à côté de toi, là. Parce qu'à un coin de rue de chez nous, j'arrête à l'ouest. OK. À l'ouest. À un coin de rue de chez nous, j'arrête. Je suis comme, on va aller voir chez nous. Ben tranquillement, à voir s'il n'y a pas une liste de tabarnak qui est là. Parfait, les filles avaient l'affaire. Je sors, puis je me mets visite. C'est peut-être ah, c'est une bonne idée! Ouais, regarde ailleurs, comment? Asti, vous me faites chier. Alors, elle avance, elle arrive en avant de la porte. Aspex, c'est moi qui m'y colle, ça a de l'air. Je regarde des fenêtres. Clic, clic, clic. Bang! La roue chez vous. Bang! Je pète un carreau en arrière. Puis je rentre. À l'arrêt. Je rentre. Parce qu'il y a. J'ai entendu de quoi, les gars? C'est pas pété, là. Elle sait. J'ai entendu de moi, je rentre en arrière d'elle. Aspect, ça, c'est ça. Je rentre, mais comme visible. Là, comment ça se en arrière? Comment ça se transformer? J'entends que c'est lui! Non! Moi, là, j'ai checké par les blagues, c'est correct en dedans, c'est pas. Oui, y'a rien pendant. Direct sur ça, c'est ça. Fait que je m'en vais en arrière, je pète un carreau. Je suis comme, oh, je fais sur ça, je mets ça, c'est la seule. Je rentre en dedans, genre. Elle pète un portail. Mais c'est ça, tu sais. Moi, je rentre en dedans, mais je suis visible, là, tu sais. Puis je rentre. Mais elle, c'est pas l'entendu clic, je vais se transformer. Les gars, y'a vraiment quelque chose. Puis j'avance vers le milieu de la maison. T'sais, vous arrivez là, ça fait comme. Check! Là-dessus, genre. Fuck! Mon hostie de mongol! Oublie ça, je rappelle. Celui-là! Allez chier! Elle s'en va! Elle se transforme! Elle sac son camp! Malade! Ah, bon, ben, madame, je... là, non, mais du coup, je pense qu'il y a personne qui est passé chez nous. Mais, y'a-tu. Y'a elle? Je vais faire de l'investigation, je vais checker s'il y a quelqu'un qui est venu ici et qui a déplacé les affaires. Ou... Sans faire ça. Ça a pas de l'air, non? Non, ça a pas de l'air. Vraiment pas, c'est clean cut, comme tu l'as laissé la dernière fois que t'étais là. Ok, ouais. Fait que je prends quand même un bon 10 minutes pour faire ça. Faites ça. Après ça, ben, on va foutre le camp à l'hôtel. Moi, je m'en vais au tapout. Toi, tu t'en vas au tapout. Moi, je retourne au Haven commun. Toi, tu retournes au Haven commun. Au sol ou à l'hôtel? Ouais, j'ai dit le nom du resto tantôt. Ouais. Moi, j'essaie de voir c'est où. OK. Puis, avec les 50 000 qu'on nous a donné, je veux louer un petit appartement, genre en face ou tu sais. Pas loin. Pas loin. Bonne idée. Je veux planquer là. Plein film. Ah, yes. Plein film. Ouais. Je fasse un jet de là. Non, je vais checker la nappe.
À chaque fois qu'il y a un vol de banque, quelque chose dans les vieux films, là, il y a un appart juste en face de la banque, puis il est alloué. Parce qu'il est loué par les gars qui volent, c'est pour ça qu'il déménage, il est libre, il y a quelqu'un d'autre qui le prête. C'est la banque est là, tabarnak. Il n'y a pas un banquier qui a dit que je vais le louer, c'est tabarnak. C'est con, les banques. Check tes affaires, toi? Mon dormant, mon dormant, mon dormant. Tu dors l'affaire? Tu dors? Ah, puis mes ah, wheels sont durs. Ouais, bravo, soin des 10. Voir le quoi. 9! 9! C'est bon. Le resto, il est sur le coin ici. Ouais. Toi, tu t'es pogné un appart, tu le vois au coin ici. T'as pas une vision directe. Hein? Tu sors dehors, là, tu le vois, le resto. C'est comme je dis, c'est un resto-bar, c'est un piano-bar. Ouais. Je le savais, je le savais. C'est bien. Donne-y ça de ma part. Ah, ben là, tu me l'avais donné. Laisse. Hein, tu vas te grogner après dans pas long, là. Où je reste là? Toi, tu... Ok, tu te prends, tu magasines là-dessus, cette soirée-là. Toi, tu retournes en bas. Naïmo est là. Naïmo est pas là. C'est tout décollé ici. Tu rentres là, c'est saccagé. Quand je te dis saccagé, là, t'es comme. C'est là qu'il était. Oh crap! La porte que Wolfgang était là est plus là. Wolfgang est plus là. Range ça. Je fais comme, ok. Il n'y a pas de temps. Tu t'en vas à l'hôtel? À qui tu dis ça? À toi, au DM. Ok. Il n'y a pas de temps de sang. Oui, parce qu'il y avait vos gants. Ah! Oh, c'est mon idée. Tabarnak. J'ai diablerisé. Par contre, pareil! Ils ont burné Wilder. C'est go! Ben, ils ont brûlé une table. Ouais, c'est ça, ils ont brûlé une table. Ben, ils savent qu'on a, en tout cas. Fait que. Ça a brûlé une table. On est. Malou au bord. Je retourne. À l'hôtel. Tu t'en vas à l'hôtel. Un nouveau événement. Mon tapas. Tout tu t'en vas au tapas. Ouais. C'est bon. T'arrives peut-être 1h30 du matin. Ouais. Il y a encore du monde. Y a-tu le petit moteur, le gros moteur plutôt? Le petit gros moteur. Oui. Je m'en vais m'asseoir straight à côté. Tu regardes. Tu veux. Puis la moto. T'en souviens pas, je t'en ai parlé. Ben, t'en as-tu toujours? Parce que tu m'étais pas revenu avec ça. Ben, je te reviens, là. Exact, vraiment, change d'air, là. Est-ce que c'est un deal ou pas? J'ai du cachet en masse. C'est quoi tu veux comme moto? On est dans un bar, là. Je peux pas te vendre une moto ici, là, la grande, là. Mais t'attends que Clayton en arrière du bar. Hey, le gros, te fais-tu de la merde, la fille? Et ah! Il est comme. Tu veux, toi, fatigant? Je veux une moto. Ah, tu veux une moto? J'en ai pas, sorry. Fait que là, je m'en vais. Passe demain mon garage, je t'avais laissé une carte. Non, soir, là, je suis tout de suite, je chauffe pas tout de suite. Quelle heure? Quelle heure tu veux? Moi, je suis là-bas jusqu'à 11h, d'habitude. Là, tu sors-tu? Minuit. Là. Non, je viens de te dire, je suis là jusqu'à 11h, d'habitude. Non, 11h, c'est beau. Parce que j'ai mal compris. Je vendrais pas grand-chose, mais que je m'en ai, en tout cas. Fait que c'est beau. Je me lève, je m'en vais au bar. Je donne une pinte. Tiens, ça va te faire du bien, je pense. Qu'est-ce qui est arrivé? T'as bien l'air en tabarnak? Je suis en tabarnak, oui. Mm-hmm. Parle-moi-en pas. Ben, trop tard, je suis en train de le faire. Ha! J'suis un cave de même, moi, j'aime ça provoquer les gens. Quoi qui est arrivé? C'était chez nous. C'était pour avoir l'air de bœuf de même, je veux savoir pourquoi. Ben, dis-toi que je cherche une autre moto, c'est pas pour rien. C'est vague. T'aurais pu avoir un accident, tu peux te l'être volé, tu peux te le faire tôt parce que t'étais parké à quelque part qu'il fallait pas pour les places pour handicapés. T'étais à bonne place, t'es parké dans les handicapés. T'as su te battre là, toi là? Non, il y a trop de monde.
ça va trop paraître que je suis plus fort que toi. Ah si, je prendrais un tabouret, c'est genre. Il coûte 35$ celui-là, je suis en 35$. Non! Ouais, ouais. En plus, là, il y a des maps du IKEA, genre, ça doit être gratuit. Ok, il prend 20$. En tout cas, c'est quoi qui est arrivé? Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Elle était scrap quand je suis sortie. Je sais pas c'est qui a fait ça, mais quand je l'ai trouvé... Ah, tu t'en l'ai fait décalisser, là! Ouais! Tu le sais, tu vois. Moi, je pense que j'ai arrêté de grignoter. Oh, c'est ça. Il y avait des traces de dents dessus. Ça me fait de la gomme. Fait que c'est pour ça que je t'en tabarnak. Mmh. Correct, là? C'est correct. Non, merci. Bon, je crois pas. Ben, il y a un pick-up. Si tu le sais en deux. Un demi pick-up. Un demi moteur. Tu le coupes de même. Ouais. Hey, une moto qui me voit. Tu coupes juste la boîte. Sinon, qu'est-ce qui se passe là-bas? Pas grand-chose, là. Bon, allez faire mes affaires. Ouais, c'est beau. Tant qu'à parler un esti d'air de cul, là. Ben, c'est ça, vas-y. Ils s'en vont en appareil. Ils vont finir par être sans. C'est clair. Non, ouais, je suis lesbienne. Ouais, mais il y a une tension sexuelle, là. Dis tout ça avant que l'été! Avant ou devant? Avant que l'été et avant que l'été aussi. Toi, t'allais? Au bord principal de Catherine Montfort. C'est bon. Elle est là. Elle est en train de manger. Elle est à table avec quelqu'un. Tu connais pas la personne avec qui. Je veux juste comme. Tu sais, me placer dans son champ de vision, bon, vu que je suis là, je vais aller m'asseoir au bord. C'est bon. Hey, le tournoi, là, l'attends. Il était dans combien de temps? Une couple de semaines. Ah, ok, c'est bon. Fait que tu l'attends. Tu prends un verre. Au bout d'une heure, elle vient te voir. Elle fait « Désolé, j'avais un souper d'affaires. » Ça va bien. Est-ce que tu as eu l'occasion de reparler à Nicole? Sûrement pas encore, mais j'ai... En me promenant un peu, j'ai appris que... La Sire d'Antoinette venait un spectacle à Berlin-Ouest. La Sire d'Antoinette? La Sire d'Antoinette est morte. Qui? Il y a quelqu'un qui est... La Sire d'Antoinette est morte. En fait, elle est morte en 43, si je me souviens bien. Si je me souviens bien même, là, elle a créé Antoinette et elle est morte le lendemain. Donc, il y a quelqu'un qui fait passer des fausses rumeurs. Mais quelqu'un fait passer des fausses rumeurs ou quelqu'un essaie de se faire passer pour elle? Ça prend un werewolf, ça. Parce que je sache, elle s'est fait tuer par des hunters en 42. T'as peut-être un peu de fou. En tout cas, il y a quelqu'un qui est attendu avec impatience du Clan Toréador au piano bar d'Antoinette dans quelques jours. Je vais investiguer là-dessus. Je trouve ça bizarre, je trouve ça louche. En tout cas, moi, je te dis, ça sent rien. Un en 43, elle a été tuée par des hunters. Ça, je mets ma main au feu. Ça semble couru comme événement, donc... En tout cas, je sais pas ce que t'as entendu ça, mais moi, j'ai pas entendu parler de ça encore. C'est beau aussi que t'as tes contacts, mais tu commences à me faire chier. Je suis, il va avoir autant de... Fait que... Disons que j'ai pas juste mes contacts à Berlin. Je crisse les breaks. Je viens d'Angleterre. Ça va? C'est bien rouge. Non, mais y'a personne. Comme dans Grand Theft Auto, tu t'en encore de faire la vie. Je pensais... C'est correct, y'a pas de problème. J'ai encore quelque chose à finir, mais après ça, je m'en vais. Je vais aller te rejoindre à la chambre, si tu veux. Je m'excuse pour hier. Je me suis un petit peu pogné avec Gustave. Il a fallu que je reste là-bas. Disons qu'avec ce qui se passe à l'ouest, il commence à avoir la chienne de voir quelqu'un à retontir en ville. La personne que tu vas parler. Ouais, en tout cas, on en rejasera une autre place ici. À tantôt.
Est-ce que tu veux que je parle à Nicole avant que tu arrives? Je peux l'appeler ou je peux l'appeler demain? J'ai pas le goût de l'avoir, mais que j'arrive, j'aurai d'autres choses à faire. Elle s'en va. Elle a pas de pénis! Non, ben. Elle a des doigts! Fait que. Je vais essayer de me nourrir dans le bar parce que je commence à être bon. Pas de problème, ça se fait bien, t'en pommes 3. C'est pas un 3. Donc, vous, là, toi tu prends une brosse au temps à part. Ouais, mais après ça, quand je vais mettre des pompes un peu, je vais aller parler avec Grimuche. Cléto? Ouais. Il est dans le backstore. C'est, tu peux pas, t'as pas accès au backstore. Bah, bon, il va pas retomber. Il est dans le backstore, il sort pas. À date, il est pas ressorti. Non. Ben, j'attends un peu. Tu sais, c'est quoi comme part? Sans faire, ça fait au moins une bonne demi-heure à dépomper, non? Puis il est toujours pas revenu. Il y a une fille en arrière du bar. Hey, Clayton. Hein, qu'est-ce qu'il y a? Vas-tu aller chercher? Ça va être difficile parce qu'il pense qu'il est parti chez eux. Ah, il est parti? Ben, il peut passer par en arrière. Il a dû prendre son pick-up. On va voir si son pick-up est encore dans la course parce qu'il est encore là. Ben, je m'en vais voir. Il n'y a pas de pick-up. Il n'y a pas de pick-up. Bon, ben, merci. C'est fait voler son pick-up. J'ai brisé son pick-up. Tu diras juste que je pense. Clinton. Ton nom? Clinton. Clinton a volé Clinton. Ouais, je sais pas pourquoi. Ça, c'est ton nom, Sabat, ça. Oksana. C'est bon. Claude. Fait que toi t'es allé, Fred est allé à l'hôtel. Non, toi t'es dans ton petit appart. Ouais. Ok. Toi, t'es avec lui. Ouais. Vous êtes à l'hôtel. Ben, vous arrivez. Ok. Arrêtez, c'est bien mieux. Ça va, hideout. C'est bon. Vous arrivez là, la carte, vous montrez votre carte, vous laissez passer. La carte. 16e étage. Ouais. Oh shit. Ouais. Il y a deux. Appart. Ok. Comme appart. C'est deux chambres. Vous autres, c'est à gauche. Okay. Vous autres, sont à l'hôtel. Ouais. Tout arrive, là. Ils viennent d'arriver. Okay. Je suis impressionné que je regarde la. C'est gros. C'est quand même crissement gros. Malade. Ah, je joue la TV, man. Je me sers un verre. Ah, ouais, c'est malade. C'est confortable. Bar open. Y'a-tu du bon alcool, ouais? Oui, c'est pas de la merde, là. Ok. Vous savez quelque chose? Comment? Ça me servir de quoi de bon? Ah oui! Fait que la porte à l'eau, toi t'arrives là, ouais, tu t'en vas vers. Tu t'en vas vers l'ascenseur là. Monsieur? Continue là. Je flippe ma carte de même, je continue. Il arrête, qui fait que. Ok. Tu le sens dans son tournoi, il avait pas l'air sûr. Non, c'est ça, ben j'avais remarqué dans ton compte. Non, tu rentres la carte dans l'ascenseur. Tu entends « Hey, tiens-moi à porte! » Il y a Marble qui s'en vient en courant. Je tiens à la porte, je fais de même. Okay. Elle rentre. Le monsieur l'a capoté, man. Il y a d'hôtel. Moi aussi, je vais en courir après. Hein? C'est Marble qui était là pour prendre la chambre. Ah, c'est vrai. Fait quand t'es-tu le premier arrivé, tu penses? Je sais pas. C'est-tu une course? Non. Ok, parce que je te pousse en l'air. Ben, moi, j'ai couru. Non, pas ici. On peut pas faire ça. Mais non. Ping! Ça roule. Vous entendez la télé jouer d'un bar, de l'autre bar, rien. Là, tu check. Ah ben, Chris, c'est à gauche. C'est chiant TV. Ouais. Les murs sont en papier. Et puis, de riz. Donc, je rentre. Bon, je les vois. Ça. Clic! Il y a ces deux-là d'arriver. Ouais, 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 ça se gâte à soir. Ça m'attend même pas pour boire. Bar open. Bar open, ouais. Ouais, ça va servir un verre. En fait, elle fait. Fuck, elle prend une bière. Psh. Elle s'installe. Hey, passe au Heaven Commer pour le fun. Tu vois ce que. Oui, qu'est-ce qu'il y en était? Puis il y a tout des colis. Quoi? Naimo, t'es-tu là? Je l'ai pas vu. Ils ont fait fondre notre table. Ils ont fait fondre notre table? Ouais. Ta table! Oh. Hein. Marble, t'as plus de table. Faut que t'en fasses un autre. Il se tasse! Ah ben, hein? On
sont où les hommes, en tout cas. Fait que, toi t'arrives à l'hôtel. Yep. Toi, si elle me transforme en table, à cause de ma peur, je vais revenir... Oui, éventuellement, oui. Ça va être moins long que les autres. Juste pas que ça. En fait, non. Hein? Non, parce que tes os, eux autres, se reformeront pas. Ok. Mais la table va redevenir lettre. La table va redevenir lettre. Ça va être à coup de blood pour te... Mais moi, fuck la TV, là, je vais mettre de la musique classique. Je vais enterrer sa TV. Là. Moi, j'en vais sur la galerie, j'en regarde ça. Coucourou, Queen Queen! Arrala, voilà! Région, ça va! Nicolas! Non, je regarde la vue d'ensemble d'où on est, puis je fais comme shit, je pensais jamais avoir une de ça. Fait que moi, il va falloir que j'y aille, j'ai du monde qui arrive pour venir dormir chez moi. C'est bon. Toi, c'est pas compliqué. Tu montes en chambre, puis tu vas fourrer. Bon, et voilà. T'as pris le rôle à Alex, dans le fond. Sinon, Alex, c'est plus mon rôle. Moi, je baisse plus, j'ai un rôle malade. Tu peux faire les deux. Lui, il est capable de faire ça. Mais avant, c'est, il va pas tuer moi. Je vais juste aller leur mentionner. Alors, tu sais, je vais passer par la chambre. Puis je vais leur dire que la sire d'Antoinette est morte en 43 par des hunters. Fait que c'est pas. C'est un scapegoat qui est mort. Faut faire attention. Ouais. Après ça, je dis. Elle fait un in and out. Elle rentre, elle lui dit: ok, gang, je suis au courant. La sire à Antoinette est morte en 43. Elle s'est fait tuer par des hunters. Fait que c'est pas sa sire qui s'en vient. Il y a quoi qui cloche? Fait que faites attention, c'est peut-être un piège pour nous faire sortir. Puis je vais en sortir. Puis je leur souhaite une bonne nuit. Puis je flippe. Merci. Une autre carte. C'est clair. Il continue à monter. Il monte au dernier étage. Ok, la carte. Je finirai la nuit là. Toi, non, tout arrive. Tout arrive. Elle arrive. Elle est moins pompée. Ouais, mais j'ai mes écouteurs puis je parle pas à personne. Là. Je fais juste comme rentrer puis t'attirer. Il y a Marvel qui va te voir pendant que t'as tes écouteurs. Ça va? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai plus de moto. Espèce. What? Enfin. Ouais. Comment ça? Quel bobo de bon! Parce qu'il y a un hostie de cap qui l'a détruit complètement. À la semaine prochaine? Yes, sir! La semaine prochaine, je vais être en congé mercredi. C'est Marvel. J'essaie de me concentrer. Je la trouve juste bonne. Ben, t'as l'air à trouver drôle pas mal pour quelqu'un qui vous a pas dégui. Yes. Chris, tu me cherches-tu à soir? Moi, ben, je suis de bonne humeur. Là. Je sais pas, là. J'imagine que cela fait partie de vos talents. Pardon? Pourquoi ça te ferait un an? Oh, ben, je suis éduqué quand même. Oui, tout à fait. Mais moi, en courte, hein, toi. Vous voulez une question piège? Je viens pas. Qu'est-ce qu'on. Quel non, médicament est-ce que. C'est vrai! Puis elle te regarde, elle fait: ah, si, j'avais oublié ça, moi! Quel est le dosage pour un de morphine à un enfant qui fait un choc anaphylactique? Parce que moi, je suis quasiment pas t'aider. Je fais ongle, c'est abîmé. C'est pas plus. J'en remets mes écouteurs, je m'en vais dans un coin, puis j'ose pas. Sont tournés là après. On parle de médecin. Ouais! C'est pète, là! C'est pas grave, quand je finis mon verre, je le fiche, puis j'en prends un autre. Je vais remplir. Garde la vitre partout. Tu sais, si compare avec celle de la Aïe, aïe. Ok. Je te regarde, puis je fais. Je vais finir ma nuit c'est pour dans la musique, voilà. Là. C'est tout. Je suis où, c'est toi qui as fait ça? Tu sais pas encore? Ben non, je sais pas. Mais viens me menacer, ça va faire mal. Mais je peux pas te menacer si je sais pas c'est toi. Ah, j'ai une question à propos de mon power. Ouais. Je peux-tu faire Path of Pain, puis l'activer, mais ne pas me faire de dégâts? Puis au prochain dégât que je mange, genre. Non. Ok, moi je faut mange. Faut que tu te fasses un dégât. Faut que je me fasse un dégât. Ouais. Mais s'il met un couteau de même, puis attends, ça va faire ça. Fasse-moi. Je vais me mettre une armure, mais peut-être punaise en dessous. Ah, mais dès que je mange un fou, ça. Ça. Non, que je le laisserais se fourrer, ça. Je veux dire, moi, les pics. Mais non, faut que toi-même tu te blesses. Ouais, je vais mettre moi-même. Sinon, toi, Fred, faisais-tu quelque chose de plus dans la soirée? Non. C'est bon. Le lendemain, tout le monde est au lair, sauf lui, puis Bloody Mary. Ouais. Tu fais quoi? Euh.
Je le sais. Je vais. J'ai la carte. J'ai la carte de la place. Oui. On va appeler là. Je vais te mettre en communication avec la chambre. Ça se fait. Ça sonne. Ça fait pas longtemps que vous êtes debout. The fuck? Ça fait 20 minutes, genre. C'est top. Fais la vache, fais le café. Je réponds reçu, si personne bouge. Oui, bonjour. Marc? Oui? Ton petit rayon de soleil. Quand tu regardes, il t'éblouit. Ok, qu'est-ce qu'il y a de bon? Je suis prêt. Passe-moi un virus. D'accord. Téléphone. Pour vrai? C'est un soleil. Quoi? oui, allô? C'est pas une belle date, ça. J'ai acheté un appart proche de notre objectif. OK! Pour pouvoir l'observer comme il faut. OK! Donc, quand ça va tenter, ça va être à l'adresse. Je vais rester puis je vais observer si quelque chose de spécial qui se passe. C'est bon? Pas de trouble. Le numéro qui m'a rappelé, c'est... Il y a Marble qui fait c'est qui? C'est juste C'est juste un jour. Hey! Dis-y. Quoi? Dis-y pour la sérieux. Red, attends, je sors! Bon, bon, il y a une. Dis-y, Chris, avant qu'il fasse une connerie. Hey, la. Une info comme ça. Ouais. La vraie sérieux. La sérieux de Antoinette est morte pour vrai. Elle est morte. En 40. Elle est morte en 43. Hein. Ça fait un méchant bout. Hein? C'était du dos. C'est Vladimir. C'est Vladimir qui me fait sortir ça. Elle est débarquée hier soir, en fait, hier matin. À matin. Mais est-ce qu'il était quand même quelqu'un? Je déteste de me faire manipuler. D'après moi, elle doit tenir ça du Kornfeld. Marble pense qu'elle tient ça du Kornfeld. Ok. La tata va quand même te tenir. Mets ton appareil. On va s'arranger pour faire quelque chose de pareil. Je suis là sur le parlant. Ouais, je suis d'accord. J'arrive dans pas long. Ok, c'est bon. Pas trop. On va s'arranger quelque chose. Yes. Mais il y a quand même quelqu'un qui va être là. Le Himmler a dit que quelqu'un allait venir. Oui, oui, il y a quelqu'un qui vient pareil, je pense. Mais c'est qui vient, pour vrai? Ça va prendre goût avant que la personne arrive. Bon, ben ça va bien tomber, je me suis là, on va pouvoir les observer. Ouais. Ok, d'accord. On va acheter un télescope puis des jumelles. Ah, c'est de bon call. Télescope, des chutes. C'est bon, ça se fait très bien. Parfait. Que j'arrive avec une boîte puis des jumelles. Pogne ça. Puis j'ouvre la boîte puis je vais monter le télescope. Sur le télescope. C'est bon. Vous autres, vous gossez là-dessus. Vous autres, vous êtes dans l'Even avec Marble. Moi, je m'en vais à mon petit rendez-vous d'11h. Bon, tu t'en vas où de même? Chercher une moto. Vous n'allez pas nous accompagner, Clark? Nous allons la chercher en bas, c'est après? D'accord. Ok, moi je vais chercher la moto avec toi, puis on se donne rendez-vous où? Vous connaissez mieux les égouts que moi. Ouais, mais non, là, je veux dire, à part notre place, notre event, j'ai pas vu de place intéressante à se tenir. On pourrait se ramasser. Des égouts en face du palais, c'est bon. Mais c'est qui est allé tout décoller? First, il faudrait qu'on retrouve. Faut qu'on retourne Nemo. Et où? En effet, il y a ça. Mais Nemo est capable de se défendre. Ouais, c'est ce que je me suis dit. Oui, mais faudrait quand même savoir. Et où ça aurait été le fun que tu me le dises? On n'a pas de quelque chose pour la fin. Non, ouais. Je suis dire. Puis deuxièmement, c'est qui a fait que saccager la place? C'est-tu Nemo? Ça me surprendrait. Moi, je pense que ça doit être des noces. Il y a un os qui m'a demandé de se débarrasser de Wolfgang. J'arrive là, Wolfgang t'en voit. Je ne serais pas surpris que ce soit eux autres. Tu n'étais pas là hier, toi. Nemo est jamais revenu. Alors, si vous le souhaitez, on peut commencer par le vieux Evan. Bah ouais, on part de là. Et puis on essaie de trouver une piste. Fait qu'on va rejoindre là. Oui, vers minuit. Ouais, minuit. À minuit, on va essayer de passer par là. Parfait, on va prendre ça longtemps. Dans cette plante, les égouts, puis ça s'est tout ravagé. On allait peut-être casser. Go, on y va. Ça se passe par là, go. Vous autres, vous allez vous nourrir. Ouais. Moi, je me suis tout le temps invisible. Puis, c'est bon. Vous allez vous nourrir, vous rendez au point de rendez-vous. Toi! On
On se rend à l'adresse que je... On se rend à l'adresse. Sûrement. En taxi. Ouais. OK. Ouais. Vous arrivez là-bas. C'est un magasin. Il y a encore de trouver... Vous arrivez, vous débarquez du taxi, là. Il fait la pancarte. Fermé. Mais quelle heure? Il est 11h02, genre. Oh, gosh. D'autres, on va continuer là-dessus. Il est-tu, genre, oh, il est dans la fenêtre. Il est dans la fenêtre encore. Je sors ma grosse liasse d'argent. Il attend. Attends, il est à côté. Il reste à côté de la porte. Il marre la savante. Ça fait fort, ouais, esti. Si on n'a pas une bonne vision, je me déménage sur toi pour bien voir. Marble, elle arrive. Ouvre-tu la porte? T'es qui, toi? Ça peut être esti d'affaires, ça. Ah, dis pas à toi, je veux jaser, c'est à ta chambre. Je suis beaucoup plus puissant que toi. Ah oui. Recule de 2-3 pas. Vas-y, je vais y péter la gueule sinon. Je vais. T'étais en retard. Je t'avais dit qu'à 11h je partais, moi. Ben là, je suis là. Ben, je te l'ai dit, il est trop tard. J'ai du cash. Félicitations. Cash, moi, cash, mais... live là. Ah oui. Moi, je fais comment pour faire disparaître une moto de mon inventaire à cette niaiseuse? Hein? Comment je fais pour faire disparaître une moto de mon inventaire à cette petite cruche? Hey! Tu veux-tu faire affaire avec moi ou tu veux pas? Oui. Cache tout vert. Quoi? Ciao! Je suis pas ouvert. Pourquoi partir ça? Oh, il fout le cas! Non. Mais, il s'abat! Comment ça? Tout le monde depuis le début de la game. Là, elle a des remords. Il y a tout le monde qui nous enregistre! C'est des méchants! T'entends mon bol faire. Comment? J'ai un coup de pied dans le pas avec ma potence. Bang! De toutes tes forces, là? Ouais, avec ma potence. Bon, ben, brasse tes 4 dés de force. Ah! Plus combien de potence? 4? Juste un. Ah, un de potence. Ah! Ah non, non, tu brasses pas ta potence par contre. Non, la potence, ça brasse pas, c'est pas. C'est juste ta force. Ouais, ah, attends, tu peux, je vais prendre du blood, puis je vais m'en mettre dans ma force. Tu peux prendre deux blood. Je vais faire ça. C'est une victoire. Fait que je brasse deux des plus. Gagne le combat, t'as l'écrit. J'ai 4. T'as gagné. Peu importe ce que tu touches, potence, c'est ça, gagne. Une réussite. Ouais, deux réussites avec ta potence. Ouais. Clau! Il fait hey, wow, mon hostie de folle! Il fait ça de même. Puis il sort un gun, il fait hey, ma crise d'innocente! Décalisse avant que j'appelle les beurs! Marble, elle fait comme. Asti, excuse-moi, tu vas avoir mal. Va chier! Tu reçois un coup de pied dans le dos. Moi, ça? Elle me pitche dessus? Elle kick dans la porte! Je sors mes griffes! Oh! T'as pas besoin. Brille de mascarade, brille de mascarade. Une à une, deux. Crac! Tu. Clau! Paf! Tu tombes dessus, esti! Il est comme. Il est pogné de même en dessous de la fenêtre. La porte fait une vitrée, là. Okay, genre, ça... Il est pogné, okay, tout okay. Est par-dessus de même, okay. Tu t'es fait kicker dans le dos par Marble. Il est comme. T'sais, comme il est tout pogné, il essaie de revirer son gun vers toi, genre. Je prends son gun pis je le pitch. Clac! Va chier! Va chier! Va t-. Il essaie de pousser sa. J'écrase la vitre, ouais. Genre! Tu pèses dessus, ouais. Marble! Marble, elle arrive en arrière de toi, puis elle embarque sa fenêtre aussi. Ah oh, ouais! Chris, tu l'es! Ah, ça fait du bruit, là, en ce moment, là! Il est gueule, le gars! Ben, j'ai sorti mes griffes! Oh, ouais, ouais! C'est pas dur! Flag! C'est fini, ah, là! C'est fuck! Putain! Elle fait comme. Oh! Bon, on prend-tu la moto? Elle pogne la tête! Allez, bon, d'après moi, les clés doivent être sur lui. Mm-hmm. Regarde comment ça fait. Ducati. Ducati. Moi, je prends celle-là. Son parquet en avant, check. Elle fait ah. Mm-hmm. Là, vous sortez dehors. Là, c'est quand elle comme. Il y a une clôture. Il n'y a pas de façon de clôture, toi? Quoi? Elle n'est pas faite en peau, asti. Je vais y aller, de c'est bord. Toi qui as des griffes, coupe-moi ça des deux bords, asti, puis tasse ça. Elle passe à la moto. Je vais. C'est bon, enfin, je vais essayer de la conduire. Oh! Oh!
Tu n'as pas de drive? Oui, mais elle est pas super bonne. Non, elle est pas comme moi. Tu as drive à deux pour monter sur une moto. J'ai une réussite. Je la trouve. Ben, je la pars. Puis tu vois, elle est pas sûre. Elle est vraiment pas sûre. Comme... Tu veux pas embarquer avec moi? C'est pas facile. La première fois que tu chauffes ça, c'est comme... Elle finit par pogner à twist. OK, on s'en va au meeting. On s'en va à... Elle finit par pogner à twist. Après, j'ai géni ça en arrière, là. Fait que vous arrivez... Ouais, vous arrivez où est-ce que vous étiez randonné rendez-vous. T'en veux un dé? Ah, il y a un dé en face de toi, Frank. Il est cursé. Il est cursé. Je dis pas. Un 7. Frank est cursé! Frank est cursé! Ah, j'ai réussi à arrêter sans me péter à la gueule. J'arrête, là, mais ça fait... Ouh, wow! Moi j'arrive, je fais vim, tu sais comme ça là. Puis je me mets c'est en face un... d'elle. Tu fais une pause? Yep. Fait comme. T'es chanceuse que je suis pas là, t'arrives à toucher. Pourquoi? Bad luck. Oh! Ça a été drôle. Ok, vous les voyez arriver. Vous êtes où vous autres? Vous êtes en bas. Nous autres, on est en bas. Vous êtes déjà dans les égouts? Ben oui. Au pire, je regarde s'il n'y aurait pas des indices un peu s'il y a des. N'est pas quel indice. Ok. Vous autres, vous arrivez. Vous autres, vous êtes déjà là. Vous arrivez, vous rentrez. Je te l'ai dit, hein. Je suis pas là. Okay. Si tu parles avec les autres, je suis pas là. Non, mais c'est ça. Moi, je me dis, je peux checker, il va me backer, genre. Oh, ouais. C'est sûr que je check. Faites-moi un check de perception awareness. Juste ces deux-là. Moi, j'ai deux d'awareness. J'ai pas eu de succès. Pas toi, il est bon. Ça, c'est un succès. Moi, j'étais à 0. À moins 2. À moins. Ouh, tu méga botches ton jeu. Je suis là, pis. Hey, mon cul! Ah non, c'est un truc dans le plancher. Belle affaire. C'est ça. Tu commences à fouiller. Sans farce, là. Fais-moi un check de perception investigation maintenant. Yeah, ça, je suis bon. Check ça, si je suis bon. Moi, j'ai deux réussites. Ça, j'étais concentré. C'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu trouves un chapelet. Ta gueule. Ouh. J'ai envie de toucher à ça, moi. Pas loin, tu sais. Tu refermes la porte. Tu garderas où ce que Wolfgang était. Que maintenant, il est ensemble. Tu refermes la porte, c'est comme... Oh! Il y a un chapelet, attends. Il est cassé. OK. Ouais, c'est cassé, ouais. Aspect 2 dessus. Aspect 2 dessus? Ouais. Il y a pas d'aura ou quelque chose? Non. Il fait pas peur? T'es-tu repelled by cross? Non. Bah, c'est ça. Même touché. Ok, parfait. C'est ça, c'est la troisième fois que je touche. C'est Hiroshima! Le feu pogne. Fait que j'ai le pogné. Ça sonnait comme. Tu vois, il réapparaît. Hunter. Je crois. Chance. Vous arrivez en bas. Vous rentrez à ce moment-là. Ça, puis Marble. Ok. Je regarde, c'est-tu genre. Vraiment? C'est un chapelet en bois. Il est cassé. Il est pas cassé où est-ce qu'il devrait s'attacher, là, comme il est cassé là. Ça paraît qu'il y a, il y a eu du combat. Quelqu'un a tiré dessus. Là. Quelqu'un a tiré dessus, ouais. Ben! T'as ton chapelet! T'es dessus! Vous avez trouvé quelque chose? Es-tu capable de savoir qui a touché à ça en dernier, quelque chose? Malheureusement, non, je suis pas Bloody Mary. Mais on va lui montrer. C'est quoi ça, là? Je pars à rire. Les autres sont dans la pièce, là. Je te regarde. Ah, attends, je fais, c'est quoi ça, là? Moi, je pars à rire, je fais comme, ouais. Bon, j'essaie de disparaître, t'as rien, fuck off. Fuck off, tu vas me laisser disparaître. Ma mère. Manipulation. Stealth? Stealth, I guess. Manipulation, subterfuge, me semble. Subterfuge. Non, c'est stealth, subterfuge, c'est pour résister quand quelqu'un essaie de te voir. T'es de 7. Ok, deux réussites. Deux réussites. Bon, tu disparais pas totalement, mais t'es presque complètement invisible. T'es flou en esti. T'avais juste à dire un petit peu d'intimité. C'est le Q d'habitude. Là, tu peux le faire. Va le faire! Ah, tout le monde va le faire. Fuck! Là, bon. Fait que. C'est quoi le. Il veut vous trouver quelque chose? Ben, là, à date, on a trouvé. Dredd a trouvé un.
un bout de croix en bois. Marble commence à faire le tour et les tout. Avec l'investigation, tu peux-tu trouver quoi? Perception, ou ça prend perception, ouais. Mmh. Oh. C'est quoi, c'est 6? 7. Ah, ben j'en ai un. Une réussite, c'est bon. Marble, la marche. Elle fait comme. Oh! Gang, venez ici. Elle s'avance. C'est pas un bout du manteau en aïe, moi. Fucking niaise. Ben, il y a un top poussière. Il y a un top qui est dans le garde-robe. D'après moi, elle a réussi à se pousser, mais quand même, il y a quelqu'un qui est venu chercher ça. Quelqu'un qui le savait en esti ou venu chercher. Ça ne doit être pas beau, je te le dis. Comment? Ça doit être pas beau. Regarde, tu parles. Quand tu réapparais, non, tu ne veux pas parler. Juste, oh! Oh, mais j'ai encore un petit peu là-bas! Quoi? Moi, j'attends qu'il fasse de quoi parce que. Je suis juste. Pas là, je veux pas intervenir et vous dire. Marble, elle fait qu'est-ce qu'on fait avec le chapelet? Ben là, Blueberry pourrait peut-être. C'est ça. C'est ça la meilleure idée. Voir un peu qui avait ça. Tu sais, c'est-tu vraiment des chasseurs ou c'est quelqu'un qui fait semblant que c'est ça? Là? Parce que ceux qui savaient qu'on était ici, c'était pas des chasseurs. À moins qu'ils ont eu. Non, mais il y en a qui sont sûrement capables d'avoir de nous ressentir. Transmis l'information. Faisais-tu longtemps qu'on est enfant? Oui. Bon, ben, fait un petit bout que vous vous connaissez. Là. Tchernobyl, fait que, mettons, ils peuvent savoir que j'ai un rituel pour suivre le monde quand que j'ai un objet qui est à eux autres. Oui. Sûrement. Vous savez ça. C'est vrai, il y a pas de rituel pour ça. Oh, convenient! Je me souviens de ça, mais c'est longtemps qu'on est ensemble. C'est de même, vous avez pas de respiration, en fait. Non, c'est de même que vous avez demandé à Slingshot, là-bas? Ouais, on peut demander, mais même à ça. On va garder le manteau de Nemo, puis. Puis la croix. Puis la croix, on va essayer de trouver Nemo, puis. D'où ça, ça prend. En fait, ouais, je sais pas si. Bloody Mary pourrait la s'abonner. Je pense pas que ça serait une bonne idée de faire ça à Nemo. Si elle essaie de se cacher et de la forcer à sortir tout ce qu'elle ouais. est. Je penserais pas qu'elle trouverait ça intéressant de se. Hein? Hey, on le connaît! Puis ben. Ben. Je lui marque un point. Ça se ferait. Vous le connaissiez pas, vous saviez c'était qui. So what, ça se fait pareil. Ça non, se fait. Il a changé genre, beaucoup. Oui, mais ça serait sûrement genre difficulté 9. Je vais te rappeler avec. Je m'excuse. Juste pour mon Rasputin. Il est où ce petit 2 de pique là hein? Lequel ça? Slingshot. Voyons donc. Ah ben, il y a un appart dans le restaurant. Hein? Bon ben. Go. Quel restaurant? Ben, pas celui d'Antoinette? Ben. Oui. Non. Ah, si. Non. Eh bon, ça nous fait une bonne planque si on veut casser notre camp vite du resto. Ça, c'est bon. Ah, ça. C'est la première fois que je trouve qu'il y a une bonne idée. Ah, c'est bon. Pour pire, en plus, il est même pas là pour s'assiner avec moi. Je te dis, c'est pas 1-0 pour lui! Qu'est-ce que c'est ça? C'est 1-0 pour moi, je viens de blaster. Ah, c'est que t'es sans dessin. Bon. On va y aller. On a-tu l'adresse? Il y a lui qui a l'adresse. Oui, c'est ça! Elle est à côté du téléphone, au pire. Ouais, mais d'un autre côté, on sait où est-ce qu'il y a le resto. Fait que, ben, ouais, c'est ça. Ouais. Quand on game, là, on sait où est-ce qu'il y a le resto. Fait que, ben, on va aller crier son nom en face du resto. T'es drôle, toi. Merci. T'es drôle. T'es drôle. C'était Adrienne! C'était Chuck! C'était Chuck! C'était Hey! Lequel de vous deux qui embarque avec moi sa moto? Moi, champion. Ah ouais, lequel de vous deux? Ah, de nous deux, là. Moi, je suis pas là. T'es-tu là, toi? Non, non ces deux-là sont ensemble. Ah, c'est nous deux, pis pas lui, là. Ouais. Lui ou l'autre, Asti? Ben, il m'énerve. Ben, moi, j'embarque, je joue. Je peux pas en embarquer deux sous moi. Non, mais elle a sa moto, oui. Ben, c'est ça, embarque avec elle, je vais attendre l'autre de te pique, là. J'embarque avec lui. Ben, c'est un grand appareil, là. Il réapparaît sur la moto.
Mais où sont-ils? Et elle embarque sa moto, enfin, ouais, elle embarque. J'embarque les vêtements de quelqu'un, puis disparaître. Son t-shirt est encore là, mais il est invisible. Pourquoi je suis nul? Non. Son linge disparaît, là. C'est tout à fait. J'ai monté ma Dex pendant le voyage pour me tenir bien comme il faut. Ouais, mais elle aussi. Elle aussi, elle veut se tenir bien comme il faut. Moi, quand on roule, là. Et. Qu'est-ce que tu fais? Ok. Ah, on part. Oh. Tu pars avec lui. Mastille. Moi, je pars. Vous, je suis comme un point droit en arrière de toi. Première lumière rouge, je me plante. j'essaie de breaker, là, puis le cul part. Fais-moi un check de Dex. Oh, athlétique pour rester sur la moto. Parce que moi, tout, j'essaie de le faire. En fait, je pense que je vais essayer de sauter de la moto. Moi, je suis correct. 2, 3, 4. 4, 2, 7. Tu sautes en arrière, hein? Ouais. C'est bon, la fin. Elle se plante, là. La moto se plante, mais. Wow! Tac! Elle fait 4-5 pas, elle fait une roulade. Moi, je t'ai arrêté, je regarde. Non, non, elle est dans un coin de rue en arrière de toi. En arrière, ok. Oh, oui. Fuck. As-tu bien, bien loin, ou? Elle relève la moto. Oh, crap! Elle embarque dessus. Bon, la roue est un peu croche, mais on va se rendre. Je sens. Est-ce qu'il y a une odeur d'essence? Pas en tout. Non? Non, 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 non. Puis est-ce qu'on est pas loin de la place? À pied, oui. Non, c'est pas super. À pied, oui. À en moto, oui. Ça va bien se faire. Moi, je vais fucking vite. Regarde autour, tu as un taxi. Okay. Parce que j'ai pas envie de rembarquer avec elle. Ah, c'est que t'es momoun. Elle repart. Je vais faire un autre jet. Ouais. Elle s'en plan. Non, je suis correct. J'ai deux réussites. Charles, a wussé. Moi, pendant le voyage, je disais à Mané, là, hey, passe proche de ce gars-là. Je vais juste juste par plaisir personnel, genre. Ok, c'est Dex mêlé. Ta gueule! Tu fais un gorgeur. Fait que c'est difficulté de 8. T'es en moto, tu roules, difficulté de 9. J'étais un gros trou de cul, difficulté de 9.5. Okay. C'est bon. Ça. Moi, je suis encore plus trou de cul, mais je vais l'avoir. Ça, c'est. Non, je swing dans le vide. Si. C'est en face, là. Le gars, là, il avance, puis il lit en même temps. Là. Il y a 3-4 cheveux qui arrivent. Ça fait fou. Ça fait. Hein? J'aime l'âge de moi. Il te voit pas, il continue, il regarde son lit, il t'a jamais vu passer. Non, j'ai raté mon coup de vent. Ah, c'est chien. Une, ça prenait une réussite. À la vitesse, tu rentrais, c'était schlag. Fais-moi un check de Dex athlétique, voir si tu restes à moto. Le gars, il est mort. Ben, tu gardes-tu la hache? Tu tombes-tu, tu l'amènes-tu avec toi, ça aurait été dégueulasse. Donc, vous arrivez, vous vous parquez pas loin du restaurant. Toi, t'arrives en taxi pas bien longtemps après. Fait bon, ben, c'est où? Y'avait-tu un problème avec la moto? Ah, c'est une chaîne. Surtout avec le conducteur de la moto. C'est des morts en bas. Surtout avec le conducteur de la moto. Tu sais, à gauche. Mon Dieu. C'est moi, ces gens-là. Spécialement stupide. Certainement. Oh. Ah oui! Là, je suis en aspect, puis j'essaie de spotter quelque part. Spotter une aurore empirée qui est à quelque part, là. Oh, si bon, ça se fait pas de même, ça. Ça fait, parce qu'il faut que tu te concentres sur la personne. Ah, il faut que je me concentre sur la personne. Pour pouvoir faire ça. Je vais me concentrer d'abord pour. J'ai amplifié mes sens, puis je vais essayer d'écouter le monde, de voir le monde. Eux autres font quoi dans la rue? On vient de descendre de notre moto, puis il y a un taxi qui arrive, lui, il sort. Écoute, je vais faire un rigomotus, puis je vais lever quelque chose genre devant eux autres, t'sais, une canette à terre. T'sais, genre, ouais, pas ma fucking moto! Bon. La moto! La moto! Je à toi, devant tes yeux, t'sais, qu'est-ce que ça fait genre? Là, ça tombe. Ok, je vais siffler, puis je vais aller dans cette direction-là. Vous les amenez proches. Ils devraient être capables. Ils devraient être capables. C'est ça, Marvel l'a fait. Moi, j'essaie de spotter un peu où ils sont. Pensons là. Drette là sur le coin. Je regarde. Go! Elle a pointé, genre. Ouais. Je vais regarder autour s'il y a quelqu'un, genre. Aspects 2. Je vais juste. Oh damn. Juste checker, là. Pas en tout.
Tu check, tu fais le tour. Tout est beau. Ok. Tout est correct. Fait que je vais rentrer dans une ruelle, je vais disparaître. Puis je vais les suivre. Attends. Moi. Okay, vous rentrez. Tu vas-tu faire ça dans le temps? Ça cogne. Ben, on a vu quelle fenêtre qui était. Je m'en vais ouvrir, ouais. C'est chez nous, ouais. Oh, ouais, elle fait comment ils sont là. Je m'en vais ouvrir. Chris, c'est un centre d'orientation, toi? Ouais. Malade, viens-t'en. Qu'est-ce que tu fais de ça? On vient jouer au Yadzi. Ah, cool. Quel jeu stupide et dénudé d'intérêt. Ça dépend. Je peux prendre tes jambes pour faire les os, faire les dés. Le jeu de plus en plus. T'aimerais-tu mieux qu'on joue genre à Vampire? Je joue à Salubri. Ça existe pas. 94, oui. Ah oui, ça va faire un Gameception, là, tu sais. Gameception. Hey, les gars, on joue à Vampire dans Vampire. Mon personnage, il brasse des dés. Mon jet d'ex est réussi. Fait que là, les dés tombent pas à terre. Fait que. Nice, moi, je vais te regarder. Pourquoi vous venez nous voir, vous venez nous appeler? Je sais pas, man. J'ai pas le numéro. Ben oui, mais il y a une date à côté du téléphone. Ah ben on était pas là-bas. On était plus là à ce moment-là qu'on avait besoin de vous parler parce que là, je sors. Ben vas-y. Je sors le bout de Nemo puis le. La croix. Le bout de la croix. Un chapelet. On a trouvé ça dans l'ancien. Puis un bout de manteau en cuir. Je prends le chapelet. Tu t'es reconverti. Ouais, je me rapproche des chrétiens. Non, mais on a trouvé ça à terre. Tu apprécies le foie chrétien. Ah oui! Ah, oh, c'est bon. Le cœur, toujours. Les rognons. Oh. Fait que, c'est ça. On et puis la personne qui parle, fait qu'on a trouvé ça au vieux event. Et il y avait des traces de combat, je suppose? Ben, il y avait tellement d'affaires des coalités. Des traces de sang? Il y en avait-tu de ça? Oui. Oui, il y en avait. C'est mauvais, ça. Puis Wolfgang t'a Thanks, Captain Obvious. Ouais, ben Wolfgang t'a embouchure, c'est vous savez les gars. Bon. Je suis pas assez capable de retracer. Vous voulez qui en premier? Ben Nemo. Je réapparais. Non, pas Nemo. Non plus, j'ai l'autre. C'est Nemo. Non, callez pas Nemo. Si elle est en train de se cacher. Non, la callez, on va pas la. Non. Je veux savoir où est-ce qu'elle est, c'est ça. Sans la parce qu'il va falloir la suivre. Si on la suit et qu'elle est en danger, je peux suivre une seule personne. Oui, j'aimerais beaucoup retrouver cette personne-là. Parce que c'était une très belle table que nous avions. Ça devrait pas être long. Ouais, mais tu sais, Marble peut nous en refaire des tables de monde. En passant, je remets à terre. Il y a trois armes là. C'est toutes des armes pour vous si vous en avez besoin. Des armes spéciales faites avec la carte. C'est quoi les armes? C'est des épées, des petites. C'est des Burning Blades. Ça, c'est des Burning Blades, mais c'est des petits couteaux. Tout des toits, okay, c'est des petites dagues, genre. Ouais. Je vais prendre j'en veux. Burning Blade, ils ont combien de charges chaque? Faut que tu fasses un jet de will. J'en veux. C'est un rituel niveau 2. Hey, par contre, j'en veux. J'en ai rien à foutre. Moi, j'en ai rien à foutre des petites blades. J'en prends. Fait que difficulté de 5, t'es prodigé, justement, sur le jet de 4. Fait que j'ai 4 de mêlée, j'en veux. Qui c'est qui s'en prend? Vous 3. J'en prends un. Vous 3. Ouais. Ah, j'ai pas de mêlée. Fuck you. J'entends pas! Mais j'ai une hache en feu, Chris! À volonté! C'est ça! Faut juste que je parle russe. Les 7 premiers coups qui vont toucher. Sur la brune? Ouais. Il y a Marble qui va en prendre une. Personne. 1, 2, 3, 4 pour toi. T'as des griffes! J'en avais 3. Ça, j'en ai pas besoin. Marble va en prendre une. Tiens, un damage plus 1, j'imagine? Ouais. Ça, c'est tout que j'ai trouvé, fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! 7 charges, c'est bon. J'ai 4 charges, ça fait chier. Arrête, bref, il m'arrête trop ce moment. Je vais prendre avec elle. Je suis parfait. Donc, c'est quoi le plan pour. Qu'est-ce qu'on fait? On va-tu en parler à Himmler? Non, on est capable de régler ça. On va retrouver Nemo, trouver ceux qui l'ont attaqué avant, je dis. Je crois que c'est la meilleure idée. Himmler, il nous donne pas des mauvaises informations de toute façon. C'est pas lui qui nous a dit que. C'est lui qui nous a dit que c'était c'est pour ça. Ouais. Mais là, Henrik est peut-être compromis. Oui, on le sait pas. Il est peut-être manipulé. Peut-être. On retourne dans les mots. Il faudrait le dire, justement. Ça dépend. Peut-être une personne à l'intérieur qui le manipule. Si on lui dit, on perd l'avantage qu'on sait qu'il est manipulé. On est mieux d'en avoir le cœur net avec la personne qui va arriver. J'aime la façon dont vous pensez. Si la personne qui arrive est un piège pour nous, on le sait qu'il se fait manipuler fortement. Sinon, c'est juste une personne qui prend la place. Ça veut dire que c'est la cam qui se faisait manipuler par cette personne-là.
Donc, on l'a tué pareil. Oui. On va savoir si Emmerich Miller est compromis ou non. OK. Si c'est un piège pour nous, il est compromis. Si c'est un piège pour la CAN, c'est eux autres qui sont compromis. J'ai peut-être une idée pour que ça se fasse vite et bien. Dans ce marque-là? Ouais. Moi aussi, j'ai des idées. On parle pas de sexe, là. Attends! Si tu te mets dans le backstore avec la cape à slingshot, ouais, la hache, là, si tu lances vraiment très, 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 très fort, ça pourrait être drôle. Puis toi, ben, t'as ramène. Malade. Ça serait nage beau. Vous deux backstage, avec au moins deux ouais, autres mais... de nous autres dans la salle. Ça enlève le fun des fessées. Oui, mais faut pas qu'on voit pareil. C'est ça. C'est pas de nous autres qu'il faut qu'on fasse un gris mascarade, c'est eux autres. Si un vampire qui burn en public, dans le bord d'un Kindrel, je donne pas cher de sa peau. Le problème avec ça, c'est que si lui il y a ma cape, moi j'ai rien pour me cacher. Comment t'es caché? On agit d'ici, nous autres. Mm-hmm. Tout le monde agit d'ici. Ah, mais si on va attaquer. Ben. J'ai rien qu'à la voir. Moi, moi je peux aider de l'extérieur, par contre. Dans la une bite, ça me dérange pas. Ah, mais. En plus, parce qu'on a des jumelles. Non, mais si je fais juste arriver avec la cape. On peut rester ici. Déguisé en n'importe quoi. Si je fais du télescope puis je vois ce qu'il y a. Je vois chrétien, je vois mon jeu qui arrive avec la cape, je le fesse. Je vais coûter en faire quand même falloir passer la sécurité aussi. Ah, facile. Pour moi, ça serait facile. Lui, non. Mais moi, j'ai juste besoin de voir de l'intérieur avec les grandes vitres. Si quelqu'un est capable de rentrer à l'intérieur et laisser une de mes armes quelque part, que je puisse la voir, là, je peux la manipuler de l'intérieur tout en étant à l'extérieur. C'est génial, ça. Ça, je peux. Parce que tu ne veux pas qu'on voit. Effectivement. Oui, mais pour... Faut t'apprendre à changer ta face. Ça serait vraiment pratique. Mais là, il peut prendre ma cape. Moi, je suis à l'extérieur. Puis tu restes backstage, ouais, si la personne réussit à s'enfuir, puis ouais, non, mais au pire, c'est ça. Moi, je peux rester dehors, par exemple. Il y a quelqu'un, exemple, quelqu'un de distingué qui va déposer la dague quelque part pour que lui avoue, a fait sa job, puis... Quelqu'un rentre puis ça fait juste s'installer à la première table à côté. Faut pas que personne le voie non plus, le couteau, là. Un coup qu'il est parti, le couteau, là, s'en fout du reste. C'est que si tu réussis pas à le tuer, la tuer du premier coup... Si elle se sauve, lui il est backstage moi, avec un autre, toi genre backstage ouais, en arrière ouais, qui l'attend. C'est bon ça. Puis toi, es-tu capable de faire de quoi? Sûrement. Je peux être. T'as pas besoin de le toucher. Pardon? T'as pas besoin de le toucher. Non. Fine. Il peut placer l'arme à l'intérieur. Moi, je m'arrange pour que la limousine, elle soit pas en état de se sauver. Parfait. Fuck. On a un bon plan là-dessus. Je fais quoi, moi? Toi! Tu feras des beignes, esti. Tu veux pas être le serveur, tu dis ça? Ouais, avec un gant à gun, là. Bang! Ah non, mais tu prends le serveur pis tu mets le couteau sur le plateau. C'est une esti bonne idée! Marvel a fait, j'avoue. C'est une esti bonne idée. Je vais passer à côté de la fenêtre pis le gun va être... Plus proche de la victime tu vas être avec le couteau, plus on a de chance que l'effet se fasse. Ah ouais. Ouais. C'est pas le corps, la galette? Le quoi? Le corps. Quel corps? Non, faut qu'il burn! On le tue! Ah, je peux pas l'affecter, moi, si ton coup marche pas. Fais-le en premier. Ça va paraître devant tout le monde. Bon, ben, fuck le serveur. Tu veux que moi, tout, je fasse un peu de mascarade? Ça va être dégueulasse, là, tu vas en avoir un vrai. Non, mais il faut pas qu'on se compromette non plus. Non, c'est non, ça. Reste en arrière. Quoi tu veux? Il y a des. Ouais, j'ai des idées. C'est fucké. Check qui parle. Je le sais. Commence à bien ta main, toi. Fait que, je pense qu'on a un plan là-dessus. Ouais. Mm-hmm. Mais avant tout, je vais échapper. Oui. C'est quoi ça? Ouais. Ça sort. Alors, c'est nous? Slingshot? Un chapelet chrétien fait de bois ébène, construit dans les années. Qu'est-ce que tu veux que j'en sache? C'est quoi? On trouve justement la personne qui peut. Je peux retrouver la personne. Ça serait bien. Lui, ça. C'est quoi? C'est parce que si Naimo est pas morte, c'est peut-être eux autres qui vivent. Ah oui. C'est possible. Si on trouve Naimo, on trouve probablement l'autre. Inversement aussi. Pas nécessairement.
profiter. Naimo, elle va être genre à se cacher longtemps avant de ressortir. Laissez-moi me concentrer un peu. C'est un rituel niveau 1, ça? C'est... ouais. Ouga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 succès. Tiens, t'en trouves combien de personnes, là? 32! Voici la personne et tout ce qui descend. Toi, tu vois les traces de pas. Ouais, écoute, ça va être une dizaine de minutes, puis après ça, je fais... OK, faut qu'on retourne au notre lair. Parce qu'il faut que la personne ait marché, ou est-ce que... Ah, ouais, OK. Savoir. Bon. Parfait. Vous retournez au lair. Mm-hmm. J'y suis invisible, encore. Si vous vous rendez au lair. Si vous. Je vais essayer tout ça. Ah, ouais, il va. Non, il va se taguer. Ah, ouais, il va se taguer. Tout le monde en groupe. Ah, ouais, tellement. On fout la merde. Ça se peut qu'on fasse fort, là. Ah, ouais. Solide. Ah, c'est quoi ça? Garde, c'est pas compliqué. Bon, je pense qu'on va l'achever dans pas long, ça. Vous vous rendez au lair. Vous voyez. Toi, tu vois les pas. Ça sort. Ça arrive de l'autre bord de ce que vous autres vous rentrez normalement. Tu suis là-bas, tu attends. Tabarnak, il fallait qu'il soit vraiment bien informé pour passer par là. Pour vrai, là. Et vous faites vraiment le même chemin. Montez. C'est là, ça. Là, hop, les pas arrêtent. Vous sortez des égouts, vous faites une quinzaine de pas, les pas arrêtent. Ça devient tailleur. Oui. Ça continue tant que t'es pas dans l'eau. Ok, bon. Ouais. Fin, vous marchez, tabarnak, faut qu'on s'en aille à l'est. Mais sur le bord de l'est, là. Ça remonte là, genre? Juste, non. On la map, exactement. Est. Ouais, c'est ça. Voir mon info. Ouais, c'est ça. Vous vous rendez, jusque dans le quartier de Gustave. Vous continuez à avancer. Puis vous arrivez et les traces arrêtent en avant du Saint Nicholas Church. Oh, chère. Tu vas très bien Marvel faire. Moi, je rentre pas là. En tant que vampire, si on rentre là, ça va nous faire mal. Pas nécessairement. Non, ça, c'est une affaire sacrée. Là, ouais, pas nécessairement. Mais elle, elle a fait comme moi, là. Je rentre pas là. Pourquoi Marvel? Vous le sentez pas, hein? Faites-moi un check de perception awareness. Je le power botch à 3 en dessous. Je sens. Il était de 7. Une réussite à 9. J'ai 4 réussites. Ouais, j'ai une réussite à 9 moi aussi. 3 réussites. Une réussite. Bon. 3 réussites. C'est en face, là. Tu sais, il represents, là. Vous le ressentez pour vous autres, les vampires. Beacon of the Unholy, mais contraire. Genre, mais. J'ai essayé de. J'ai deux, ces deux flots, là. C'est pas cool. Toi, c'est vraiment pas cool, là. C'est moi qui le manque. Je veux le genre. Ceux qui ont Beacon of the Unholy, là, ouais, non, vous vous sentez vraiment pas bien. Moi, j'ai une faute, je vais acheter des hosties. Hosties. C'est une cave. Hosties. Vous arrivez en avant du c'est bien sûr, le Saint Nicholas Church, si je me souviens bien. Le Saint Nicholas Church. Non, mais, bon, on n'a pas besoin de rentrer. Quoi? Je voudrais les faire sortir. Ouais. Moi aussi, j'attends ici. Moi, je fais juste. Qu'est-ce que tu veux faire? Je fais Rigo Mortis. Moi, je lève des chars. Vous êtes en ville, man! Ouais. Il y a des chars qui roulent. Vous êtes visible, man! Oui. Wow. Je m'en fous. J'ai balance sur l'église. Moi, je fais le tour de l'église pendant ce temps-là, puis Tu vas avancer, man. C'est bon, on va arrêter ça de même. Je vais avancer vers l'église. Il y a un char qui. Qui vole sur J'ai 5 de Rigomotus, 5 de potence qui embarquent là-dedans. Je peux facilement. Ah oh, ouais, tu lèves deux chars. C'est bon. Oh, je vais me dire que j'ai les qui vont sortir en tabarnak. En plus, je pense que ça sera pas long que la police va se. En plus, ça peut être invisible en faisant ça. Juste avertir, là, sans faire, c'est que t'es au cœur de Berlin. Là. C'est la place la plus populeuse de toute la place. Là. En ce moment, il y a à peu près 250 personnes qui viennent de voir ça. Ouais. Tu viens de faire le plus gros bruit de mascarade de tous les temps à Berlin. Ça tombe bien. On tombe le troisième jour. On tombe le jour parce que tout brûle partout.
Non. En même temps. Non, pas en tout. Vous êtes le non, lendemain. Non, c'est... on est encore juste le premier, même. Ouais. Oh. Vous êtes le lendemain. Je l'ai fait pareil. Moi, quand il fait ça, je vais faire « Ah, mon Dieu! » Puis je vais le fuir comme une lopette, faire semblant que je suis un humain. C'est ça? « Ah, mon Dieu! Ah, mon œil! »« Ah, mon Dieu! Dégueulasse! » Un petit deux points d'XP. Oh, yeah.